Et bonsoir! Comment vous allez tous? Incroyable, putain, la quantité de gens qui arrivent, tout le monde arrive en même temps. C'est l'effet des events, ça. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu des bonnes nouvelles, même si vous savez comment je suis. C'est un peu compliqué, mais je serai officiellement à l'ouverture de la Game Story de MO5. Mais fais sortez-moi du Z-Event, ouais. Arrêtez avec le Z-Event, ah. Un peu ça. Je serai en tout cas à Paris le 18 octobre et le 19, en fait une partie du 19. Et j'essaie de négocier à possiblement rester à Paris jusqu'au 20 pour avoir un peu plus de temps à Paris. Voir justement si je peux avoir un logement à Paris entre justement juste la nuit en fait du 19 au 20. Et non, en cliquant frame 1 sur la notification, on n'arrive pas à prime, si. Et non, parce qu'en fait, Twitch, ils aiment pas mon contenu. Du coup, ils mettent pas ma notification à temps. Et bienvenue, en tout cas, à Chris for Playing. Bienvenue à toi, le proms. Attention. Je bougerai pas, monsieur l'agent. Je paye mon parc-mètre, monsieur. Je bougerai pas. Oui, c'est une tente sur le capot. Et alors, c'est pas interdit. Non, je bougerai pas. Oui, j'attends Naomi. Et alors, j'ai le droit. Aïe aïe aïe, ce camping qui n'a pas porté ses fruits, c'est très triste. Et bonsoir, c'est parce qu'il a du coup, bonsoir, Sam, j'espère que tu vas bien. Erax. Et oui, même en cliquant frame 1, voilà. C'est parce qu'il a président, ah, vous allez vous faire des bisous maintenant. Appelle Tev sinon, Tev quoi, pourquoi pour qu'il m'héberge à Paris, c'est ça? Il vit pas à Paris, Tev en plus. Il a sa propre maison au Japon maintenant, tu sais bien. Ce soir, on joue à Gourmet Sentai Balayalo. Je connaissais pas du tout ce jeu, on va le découvrir ensemble. Et on va parler arcade et on va parler du coup MO5 pour vous montrer un petit peu ce qu'est Game Story et tout, histoire de faire un petit instant promo bien mérité parce que l'événement approche à grands pas. On est déjà en septembre, bien entamé, entre guillemets. On n'est pas encore à mi-septembre. J'ai déjà eu des propositions pour Paris. Bonjour. D'ailleurs. J'ai déjà eu quelqu'un qui me propose. Et bonsoir, Fluyoshi. Qui me propose de l'héberger, mais pour le moment, malheureusement, je n'ai pas plus de nouvelles, quoi. Et il faudra que... Ah oui, putain, il faut que je regarde le stream de sur PC en parallèle de que je stream. Ça va être très compliqué, mais il faut que je le fasse parce que j'ai participé à un tirage au sort et j'ai pas envie de faire chier le monde à participer et pas être là si je suis tiré au sort. Voilà. Pour le The Event, il avait fait un tirage de sort, j'ai participé, donc je vais rester, quoi. Faut que j'ai son stream qui tourne derrière. On va juste pas se mettre en 1080p60, hein, sinon on va perdre toute la bande passante. Ça parlera pas Naomi ce soir, Naomi ce soir avec de nouveaux éléments, en tout cas. On reparlera de mes commandes eBay, il y en a qui sont partis, il n'y a toujours pas grand-chose de très neuf, jusque demain, j'ai essayé d'aller la voir. J'espère pas trop les faire chier. Après, ils m'ont dit fin septembre, ça veut dire que là, je peux encore aller les voir trois fois. Je suis pas sûr que ça soit vraiment excessif d'aller voir quelqu'un trois fois quand t'as commandé une machine, quoi. Je sais pas. J'espère que tu vas bien, Fluyoshi, que tu t'es bien reposé. Et le jeu, j'avais pas vu. Et oui, le jeu, c'est Gourmet Sentai Balayalo. C'est Dams d'ailleurs qui a envoyé l'information comme quoi il avait été réédité en 2018 par Pico Interactive, voilà. Il faudra qu'on fasse une recherche peut-être pour voir ce que ça donne cette réédition. C'est une réédition américaine, purement américaine, avec une cartouche carrée. Du coup, on peut pas y jouer, nous. Je vais vous montrer aussi des photos exclusives de la Game Story. Il y a des photos qui ont été postées sur, notamment, Blue Sky. Je vais vous montrer ça. À l'école demain, ouais. Salut, Dams, bienvenue à toi. J'ai pas fait les squalala. Est-ce que je dois faire les squalala ou est-ce que ça ramène moins de... Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de ramener des gens de Twitter. J'ai l'impression que ça sert un peu à rien. J'ai l'impression que ça fait pas plus d'audience. Mais on va le faire. Squalala, le jeu s'appelle comment? Est-ce qu'on peut faire une blague avec le nom du jeu? Squalala Rayaru. On peut faire? Squalala
Là. Yal. Tchac, un peu d'ASMR, clavier mécanique, bien sûr. Voilà, là, Event. Sur le site Picon Interactive, il y a des versions pâles du jeu aussi. Ah, d'accord, d'accord. Je crois que le ton screenshot, c'était le seul qui existait. Bah, cool, cool, on regardera. On regardera rapidement. Et pour remettre en contexte le jeu de ce soir, bien sûr, encore un peu d'arcade. je vise un peu l'arcade en ce moment pour remettre en contexte les choses. En contexte les jeux qu'on fait chaque soir. Je trouvais ça intéressant parce que en fait, eh bien, il y a la sortie d'un jeu qui va faire un peu le pont avec ce qu'on avait vu hier déjà. Ma caméra est même pas. Putain, j'ai même pas allumé ma cam. J'y ai pas pensé. C'est vrai qu'il faut allumer la caméra pour que ça fonctionne le stream. Attends, on va la régler. Pas de carte mémoire, ça je sais. Je sais qu'il n'y a pas de carte mémoire dans mon appareil photo, c'est mon appareil photo. Pardon. Excusez-moi. Pas du tout énervé. Je suis excessivement calme. Je suis un modèle de calme d'ailleurs, si vous me connaissez. Gourmet le pâté pour chat. Gourmet, le mot gourmet avant le pâté pour chat, bien sûr. Il y a une réédition jap de Gourmet Sentai. Ah, ils ont aussi réédité en japonais. Incroyable. Ça fait que les japonais, ils en ont eu plein là. C'est un peu abusé, non? Les japonais, ils ont toujours plus que nous là. C'est bon. J'ai chialé du sang sur Astro. Parce que j'ai une autre annonce à faire, effectivement, j'ai fini Astro Bot, ça y est, à 100%. J'ai tout fait. Tout. Et j'ai tout fait plus même. Alors j'ai pas fait tous les trophées, parce que la chasse aux trophées ne m'intéresse pas. Et que les trophées, c'est des trucs à la con, en mode... tu es allé voir ce bot dans le hub du jeu, et tu l'as tapé. Y a des trophées qui servent un peu à rien, hein, honnêtement. Les trophées avec des petits événements sur les bots, je pense qu'ils étaient un peu à court d'idées. Mais par contre, j'ai fini le jeu, ça y est, j'ai fait toute la progression, tous les niveaux, j'ai eu un crash. J'ai eu un crash tout à la fin du jeu, j'avais tout terminé, je retourne sur la plaine où il y a la PS5 et les bots, et quand je vais pour voir le Pocket Station, je tape le Pocket Station, ça charge et ça crash. La PS5 a crashé. En relançant, ça va, mais je crois qu'il y a plein d'événements qui se sont remis à zéro dans ma sauvegarde, c'est très étrange ce qui s'est passé. Comment ça, je suis allé sans rien, Fleur va bien s'amuser. Ah, c'est très très dur. Le mode de challenge est excessivement compliqué. Le jeu est très facile, mais si tu veux faire tous les challenges, il y en a, ils sont bien. Il y en a un qui est très salé, quoi. C'est celui que j'ai envoyé sur Twitter d'ailleurs. Celui que j'ai envoyé sur X. Ça spoil pas de le montrer en fait. Ça spoil juste la difficulté en vrai. En vrai, la version Jap, PAL, OZEF, la plupart des cartouches sont dézonées. Oui, ça, je sais. C'est juste que, ils ont eu plusieurs éditions. Mais ça veut dire que l'édition de Pico, est-ce qu'elle a la traduction anglaise? Parce que moi, ce soir, je joue avec une fan trad anglaise qui rajoute un petit élément qui baisse la difficulté du jeu. C'est que quand on fait un taunt, ça fait remonter la vie. Un petit peu. En fait, si on a un peu de tranquillité dans le jeu à un moment, si on taunte, on remonte un peu la vie. Il y a une touche pour taunter l'ennemi. Vous savez, taunter, ça veut dire provoquer. Attention, le reveal, mesdames, messieurs, en fait, c'était moi. Avec le même t-shirt qu'hier, d'ailleurs, hein, vous avez vu. Gros dégueulasse. Alors, soit j'enregistre mes streams, et du coup, c'est le même jour qu'hier, et là, tout ce que j'ai dit, c'est pré-enregistré, et vous n'avez pas d'influence sur le chat. Soit... je suis un gros dégueulasse et j'ai pas changé de t-shirt. C'était peut-être la même. Merde, c'est pas Naomi. Non, c'était pas Naomi. Naomi, elle aurait une sacrée voix testostéronée, hein, je pense surtout. Je l'aurai, mon astrobot, je l'aurai. Ah oui, non, mais tu vas t'éclater, hein, le jeu est incroyable. C'est pas Zera. Oh non, Zera, il était occupé, je crois. Il est parti. D'ailleurs, chez toi, est-ce que t'as le VIP, ça y est, il va dormir? Ça explique le soleil derrière, c'est pas en live. Le soleil, tu veux dire, le reflet de cette lampe-là? Ou de cette lampe-là? Je sais même pas quelle lampe. Ah, c'est cette lampe-là. Cette lampe. Elle qui se reflète. Ce panneau à LED. On a quand même des moyens techniques, cher Unotaku. On n'a pas des lampes. On a des panneaux à LED. D'ailleurs, toi. Hop. On l'enlève. Parce que sinon, on voit pas le décor. Dommage, quand même. On voit pas la magnifique machine à gâchapon. Le magnifique Astro, regardez, qui rêve depuis que je l'ai fini. Hein. Il est en mode rêverie. J'ai oublié d'enlever la télécommande, tiens. De la télé. Et la manette. Eh bien non, je l'ai appris il y a 10 minutes, il m'a envoyé un vocal pour s'excuser. Ah, c'est classe quand même, Zera Production lui a pris une chambre d'hôtel.
mais ça s'embête pas. Apparemment, selon les captures d'écran, le jeu de Pico est en japonais. Ah d'accord, ils ont repris la ROM de base alors. En même temps, le jeu n'existe en japonais. Hein. Il est sorti qu'en japonais en officiel. Est-ce qu'on peut compter le jeu comme étant quelque chose d'officiel? Je ne sais pas. Allez, est-ce que les rééditions en 2018 de jeux Super NES par Limited Run et tous ces gens-là sont des... Est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'officiel, sachant qu'ils ont les licences et que quand ils rééditionnent, je sais pas. Je sais pas. Un débat hautement philosophique. En tout cas, oui. Je voulais vous montrer ça. L'association MO5, l'association MO5 a son propre compte Blue Sky. N'hésitez pas à le rejoindre si vous êtes sur Blue Sky, si vous aimez les réseaux sociaux où il ne se passe rien, voilà, ou personne ne poste. À part le peu de personnes que moi je follow malheureusement sur Blue Sky, c'est vrai que c'est un peu un réseau social très calme. Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent ça, mais pas forcément un truc qui me correspond beaucoup. Bah non, c'est vrai. Enfin, en plus, je pense que les gens qui sont sur Blue Sky sont tout à fait d'accord pour dire que c'est extrêmement calme. Si tu follow pas 15 000 personnes, je pense qu'il se passe pas grand-chose. Genre l'onglet For You de Blue Sky, il est étrangement alimenté en fait. Qui m'embête un peu. Vous voyez ici le plus grand BG de la Terre, regardez-le. C'est grâce à lui, c'est vice grâce à lui que l'association MO5 existe. Et vous voyez ici l'ancienne poste, l'endroit où va avoir lieu Game Story Versailles épisode 3. On peut venir participer, si vous êtes membre de l'association, vous pouvez aider à l'installation, notamment de tubes cathodiques, un très beau Sony ici avec le capot perdu, mais n'empêche, il a fière allure, regardez-le comme il est droit dans ses bottes, et qu'il nous regarde avec un air déterminé. Un cathodique, voilà. Donc il y aura beaucoup de cathodiques, évidemment, dans cette énorme exposition, qui, je vous le rappelle, aura lieu à côté de Versailles. La plus grande rétrospective de jeux vidéo d'Europe, Game Story à l'ancienne poste, au cœur de Versailles, face au château, simplement, du 19 octobre au 25 avril 2025. Ou plus, on ne sait pas encore, cette exposition retrace 70 ans d'histoire du jeu vidéo, il y aura plus de 100 machines jouables, ça c'est dingue quand même, notamment la première borne d'arcade, la Computer Space, elle sera en expo. Salut Metabéléo, je suis un homme simple. Il y a des tétés, je viens regarder. Ah oui, il y a des tétés ce soir. Il y a des tétés et des gâteaux. Il y a du gâteau et des tétés. De quoi contenter la terre entière, finalement. C'est un peu PM de dire ça. La première borne d'arcade, la Computer Space 1971, qui est donc exposée, qui sera donc exposée là-bas. Mais aussi des Pong et les premières consoles de jeux vidéo, donc Atari, Nintendo, Sega, etc., jusqu'à des consoles plus modernes. Du rétro gaming comme on les aime en perspective. Il y aura des ateliers animés, il y aura une boutique aussi pour partir avec un objet lié à la culture d'un demi-siècle et un souvenir mémorable de leur passage. J'ai hâte de voir ce que c'est. Peut-être des photos avec le président de la SOMO5. Incroyable. Donc ça, c'était les premières photos. Elles datent d'il y a quelques temps déjà, quelques jours, voire quelques semaines. Mais maintenant, il y a des nouvelles photos. Vous voyez, hop, ici, on voit carrément le hall dans lequel sont gardées les télés, le temps de les installer. C'est incroyable la sélection de CRT qu'ils ont. Et ils sont en train, en ce moment, de tout brancher, de tout préparer. Si vous êtes membre de l'asso MO5, vous pouvez leur donner un coup de main. Si vous êtes du côté de Paris ou Versailles, moi, je pense que je vais aller à Paris le 17 ou le 18, quelque chose comme ça. Ouverture le 19, puis je repars le 20. Malheureusement, je peux pas faire beaucoup plus, j'habite à Montpellier, mais j'essaierai peut-être de les aider au moins le jour juste avant l'ouverture. Et bienvenue à toi, Metabéléo, j'espère que tu vas bien. Donc c'est plutôt cool. Une autre photo, bah, c'est les anciennes Game Story, hein, ça. C'est des photos qui sont des anciennes expos. Ils vont sûrement réutiliser un peu les mêmes vitrines et les mêmes trucs. Ça me rappelle un peu le musée Nintendo, de voir ces vitrines. Très très hâte aussi d'y aller. J'espère que ça se passe bien ici. Faut prévenir Delenia maintenant s'il veut être là à temps et au bon endroit. Pour pas qu'il aille à Paris au lieu de Versailles, tu veux dire. Ici, on a le plan avec le château de Versailles directement et c'est juste en face. C'est vraiment impressionnant comme c'est en face. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Ça va être chaud avec le boulot. Oui, je sais, je me doute. De toute façon, c'est toujours un peu chaud, j'imagine, au niveau argent et puis être à Nancy et compagnie, c'est un peu compliqué. Je peux comprendre. L'adresse complète, tac tac tac, l'aménagement du site a été pensé pour faciliter les déplacements dans l'enceinte des personnes à mobilité réduite, et on a aussi des petits restaurants et de quoi se sustenter quand on y sera. Très très hâte, encore une fois, d'y être.
J'essaye en fait actuellement de négocier un logement. C'est un peu compliqué, mais juste une nuit, quoi, en fait. Du 19 au 20, du 19 au 20 octobre, enfin la nuit du 19 au 20 à Paris. C'est un peu complexe hein, de trouver un logement à Paris, mais l'asso MO5 étant très solidaire, ils font tout leur possible pour trouver quelqu'un qui puisse m'héberger. Et dès que j'ai cette information, je prends mes billets d'avion et de train, parce que je crois que je vais faire. Vu que c'est un week-end compliqué, je vais faire avion pour l'aller, train pour le. Non, train pour l'aller, avion pour le retour. Parce que si on part la semaine, c'est moins cher en train. Par contre, si on rentre en week-end, c'est beaucoup moins cher en avion. C'est hors de prix, le train. Le train, c'est devenu vraiment n'importe quoi en week-end. C'est plus possible de le prendre, en fait. C'est-à-dire qu'avant, à la limite, bon, ça me coûtait 100 balles. Aujourd'hui, c'est 135 euros pour aller à Paris. 135 euros, juste un trajet pour aller à Paris. C'est complètement n'importe. Enfin, les prix devraient être plafonnés, en fait. Parce que là, ça devient juste fou. Le système devient complètement taré. Je sais pas si les gens se rendent compte du prix qu'est devenu le train, mais c'est devenu vraiment un grand n'importe quoi. J'insiste vraiment là-dessus et c'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui le pense. Après, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi, mais alors clairement, de mon avis personnel, c'est n'importe quoi de proposer un service aussi cher et aussi de mauvaise qualité, hein, parce que c'est de mauvaise qualité, le service de train aussi. Voilà. C'était mon petit coup de gueule parce que j'ai regardé les tarifs, j'ai eu le malheur de regarder les tarifs de train, bien sûr. Donc maintenant, je suis un peu remonté. Virtua Tennis 2, incroyable, regardez cette borne comme elle est belle, dans son jus, comme on dit, bientôt dans le salon de Haruno Taku, bientôt ici, exactement, donc à la place de cette étagère, vous aurez un morceau de la Naomi, et quand je ferai des streams arcade, vous aurez l'appareil photo qui sera tourné vers elle pour la filmer, ce sera très très cool, ça me permettra de vous faire des petites démos. J'ai déjà reçu un Netdim, alors un Netdim, qu'est-ce que c'est? Un Netdim, est-ce qu'on peut faire une vidéo très rapidement pour vous montrer ce que c'est? On va voir. Vous voyez là-bas sur l'étagère, tac, 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 ça là, ça c'est un Netdim, voilà, avec le Raspberry à côté qui est fixé dessus. À quoi ça sert, vous allez me dire, ça sert à mettre dans la borne directement. Ça se met à la place d'un jeu Naomi. Et à la place de ce jeu Naomi, eh bien ça envoie directement du Pi. Il y a toutes les ROM Naomi, un jeu en streaming. Et je décide du jeu que ça envoie directement via mon téléphone mobile ou n'importe quel ordinateur sur mon réseau local qui a un browser. Mais où va aller Doraemon? Doraemon, je ne sais pas. Un Raspberry est entré chez lui. Lancez le code rouge, code rouge. Ça y est, il y a un Pi qui est rentré chez moi. Et ça fait deux Pi, hein? Tu t'en souviens, Samnissan? Tu te souviens du projet télé-émulation? C'est une de mes vidéos YouTube qui m'a coûté le plus de temps et qui a rapporté le moins de vues. C'est quoi déjà? Télé Sonic. Télé Sonic, Télé Sonic. Télé Sonic. Oh là là, la Télé Sonic, regardez ça. Ce fou de Haruno Taku s'était mis en tête d'acheter, il l'a acheté d'ailleurs, il en a eu deux. Il y en a eu une qui s'est cassée en chemin, que j'ai utilisée pour faire le projet, et l'autre qui est arrivée en intact. Que j'ai gardé du coup. C'est une petite télé Sonic avec une bougie à l'intérieur. C'est un goodies que le Sega Shop Europe, pardon, vendait pendant un moment au rabais parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Personne n'en voulait. Faut savoir que ça, c'est de la résine. C'est de très bonne qualité, la télé. Malheureusement, c'est très cassant, la résine, vous le savez. Donc, dans cette vidéo-là, je présentais juste le projet. Mais le projet, c'était de mettre une télé d'émulation. C'est-à-dire de mettre un écran, un Pi à l'intérieur, une batterie et tout et tout. Et à la fin, d'ailleurs, je l'ai fait. Hein. Je sais pas si on peut voir. La vidéo suivante n'a aucun rapport avec tout ça. La télé Sony porte-bougie. Attendez, est-ce que j'ai mis. Non, c'est pas bon. Ah, si, projet DIY. C'est mal ça. Et là, dans le projet DIY, il devrait y avoir. Projet TV Sonic autonome, donc voilà, vous voyez dans certaines vidéos, je montrais même que j'avais commencé à mettre des câbles, j'avais coupé des câbles, dénudé des câbles, c'était la grande époque, et là vous voyez un Pi Zero que j'avais acheté spécialement pour le projet, un Pi Zero, et j'avais regardé s'il y avait des écrans compatibles, et j'avais fait une télé comme ça, la même casquette effectivement déjà. Déjà à l'époque. Une casquette elle est vieille. Hein. La casquette est aussi, pas aussi vieille, mais quasiment aussi vieille que les streams Twitch quoi.
à peu de choses près. Donc j'avais mis une powerbank démontée à l'intérieur, parce que montée, elle tenait pas. Et alors là, j'avais mis la diode de la powerbank ici, et j'avais acheté de la résine à mélanger et à couler. C'était un enfer, ça a coulé partout. J'ai eu de la résine sur mon bureau pendant des jours et des jours après. C'est de la résine où vous mettez d'abord un truc un peu gélifié, et puis vous mettez un liquide qui va solidifier la résine avec le temps. Et ça fait un truc transparent. Et j'avais passé un petit coup de papier de verre, enfin du papier, je sais pas comment on appelle ça, du papier ponce quoi, pour poncer. Et ça a fait un petit fini mat justement. Et du coup, quand j'allumais la powerbank et que j'allumais le pi, ça allumait la lumière devant quoi. Je dis j'allumais parce que je sais plus dans quel état elle est avec le déménagement, je sais pas dans quel état elle est quoi. Casquette collector, clairement. Il faut que je demande au fournisseur de casquettes d'ailleurs de m'en refaire une. Je demande à Pisuke de me retrouver la même casquette, puisque c'est lui qui me l'avait offerte il y a un moment déjà. Vous voyez, hop, j'avais mis la télé à l'intérieur. Là, le Pi, il affiche un écran blanc, parce que quand vous le démarrez sans carte SD, il fait un peu nawak. J'avais plein de projets pour le faire, ce truc-là. Et du coup, j'ai bien déjà eu un Pi qui est rentré dans mon appartement, tout ça pour dire ça. Le dénudage des câbles. Donc c'est ce que j'expliquais quand quelqu'un m'avait dit, c'était hier, quelqu'un avait dit pour la bande d'arcade, tu feras une vidéo où tu montres les différentes étapes de restauration. Vous voyez à quel point, déjà c'est mon ancien père à souder, mais vous voyez à quel point je soude de manière ultra inconfortable quand il s'agit de filmer. Je sais pas comment placer les caméras, j'y arrive pas, à chaque fois ça rend pas bien la vidéo et tout. Et maintenant j'ai des pinces, maintenant j'ai un poids avec des pinces, j'ai un nouveau fer à souder, j'ai plein de trucs qui vont faire quand même que ça va être mieux. J'ai aussi de l'étain un peu plus fin que ce bordel là, cette espèce de norme câble là, d'étain. Et du coup j'ai dû refaire des câbles USB sur mesure pour pas que ça soit trop le bordel dans l'habitacle de la télé Sonic. Pour faire un interrupteur notamment, pour l'allumer, l'éteindre et tout. Et l'interrupteur il a été placé où, je ne sais plus. Oui, j'avais dit que je ferais un trou dans le socle et je peux pas en fait. Le socle, il est beaucoup trop... Regardez, vous reconnaissez ou pas? C'était avant ma vidéo sur l'émulation. On peut installer Regalbox sur un Pi-0. Faut savoir que ça marche. Par contre, on avait essayé, hein. Vous vous souvenez, peut-être qu'on avait fait un live... on avait fait juste un live très rapide d'émulation. Pour mon anniversaire, je crois, j'avais fait ça. Et j'avais fait tourner des jeux Mega Drive et c'était l'enfer. Même Mega Drive, ça avait du mal avec le Pi-0, mais en même temps, c'est tellement pas fait pour ça. Rigolo de revoir ça. Ça me rappelle des souvenirs. Donc maintenant, j'achète une vraie bande d'arcade et j'ai besoin d'un Pi pour lui faire passer les jeux directement en streaming à l'intérieur via une carte officielle, la NetDim. Et j'ai aussi acheté d'autres choses que je vais vous montrer qui ont été envoyées. Je vous ai déjà montré ça il y a quelques temps si vous êtes déjà là. Si vous étiez déjà là hier par exemple, vous savez déjà que j'ai commandé ça. Mais j'ai commandé quelque chose pour alimenter le Pi à l'intérieur de la borne. Ça c'est une prise spéciale qui est sur la carte arcade, la carte mère de la Naomi qui est à l'intérieur de la borne. Et ça va directement en micro USB et ça alimente suffisamment pour un Pi 3B pour le coup. Qui va streamer les données des jeux directement dans la borne. Ici, on a un accessoire qui permet de brancher une manette 360 sur sa borne d'arcade sans retirer des câbles, sans se faire chier, juste en branchant sur le connecteur JVS. JVS, c'est la technologie qui a succédé au Java et qui permettait d'avoir un port VGA, des ports son standardisés pour l'image et le son, et tout ce qui était... connectique de pont de stick et de volant et de tout le bordel, c'était un nouveau standard. Et du coup, il y avait un port USB pour rattraper les anciens standards. Et grâce à ça, ils ont sorti tout un tas de trucs dérivés récemment pour adapter des manettes 360, par exemple, sur le JVS de la borne Naomi. Pourquoi j'achète ça? J'achète ça principalement pour les jeux de voiture. Je vais évidemment pas jouer aux jeux d'arcade qui se jouent au stick et au bouton avec une manette 3.6, bien que... Je sais pas, peut-être. En tout cas, je vais surtout utiliser mon panel, quoi. Mais pour les jeux de voiture, vu que j'ai pas de volant et que j'ai pas de borne Crazy Taxi, je vais être obligé de passer par JVS ou USB. Je l'ai commandé en Chine, il vient d'être envoyé, là. Il est envoyé dans la journée aujourd'hui. Et le dernier truc que j'ai commandé, c'est un ventilateur de rechange silencieux que j'ai essayé d'acheter cette fois-ci chez Japan Arcade. D'ailleurs, Sam Nissan, tu m'avais recommandé Japan Arcade.
Je pensais que ça allait être cher et pas intéressant quand tu m'en as parlé la première fois. Et au final, quand j'ai fait mes recherches de cartes de ventilateurs pour ma Naomi, bah au final, c'est les plus intéressants puisqu'ils sont en France et qu'ils ont adapté eux-mêmes le ventilo et tout, quoi. 21,60€, c'est les moins chers en ventilateur adapté Naomi. Et celui-là, c'est l'extracteur. C'est celui-là que je voulais, en fait. Je voulais pas celui du PROS, je voulais pas celui du PSU, je voulais vraiment celui de l'extracteur de la carte. De la carte Naomi, parce que c'est le plus bruyant. En fait. Oui, ils ont l'air très sympas, surtout ils sont français, donc ça va arriver très très vite. Et puis surtout, bah, je vois que les soudures sont bien faites, parce qu'on peut, regarder, on peut voir que c'est collé à la gaine thermique, la gaine thermo, et c'est plutôt stylé, quoi, ça rend bien. Ah, je vais te sauver les oreilles, oui, c'est clair, c'est clair. Parce que du coup, elle, quand il l'a allumée, alors quand je suis arrivé, elle était allumée. Et vu qu'il y avait l'atelier juste à côté, en fait, il y a l'atelier de Flipper qui est juste à côté de cet endroit-là. Donc il y avait la borne qui était allumée, j'entendais un en continu, tu vois, mais je me disais, bah, ça doit être des instruments, ça doit être... Un Flipper, ça fait du bruit, hein, même à vide, hein, d'ailleurs, il y a des ventilateurs, il y a du bruit dedans. Du coup, je me suis dit, bah, ça doit être les ventilateurs ou quoi. Puis à un moment, il l'éteint, et là, j'entends plus rien, et je fais, ah ouais, putain, c'était violent, quoi. Et quand il a ouvert justement les plaques arrière, et j'ai vu le nombre de ventilos qu'il y a. Il n'y en a qu'un seul qui est vraiment très bruyant, mais il y a plusieurs ventilos. Il y a le PSU ici. Ils vendent d'ailleurs le même ventilo hein, pour le PSU. On peut le changer, le Power Supply Unit. Et ils ne le vendent pas chez Japan Arcade, mais par contre, à l'intérieur, dans la carte Naomi, il y en a un autre qui est très bruyant. C'est celui qui est sur le PROS, sur le ventilateur sur le radiateur du PROS. Il y en a un autre à changer. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la ref. Pour moi, elle a pas besoin d'un ventilo si bruyant, la Naomi. Tu vas pas la faire tourner dans une salle remplie de bornes pendant des centaines de jours. Oui, c'est ça, ça me faisait un peu peur. En fait, ce qui me fait peur, c'est de me dire s'ils ont mis des ventilateurs bruyants. Et s'ils ont mis des ventilateurs qui tournent si vite. Parce que le ventilateur, quand il démarre sur la Naomi, il démarre instant. Et il va à une vitesse, c'est un truc de taré, hein. L'extraction d'air, ils veulent qu'il y ait zéro air chaud qui reste dans la machine. C'est pas genre on fait circuler un peu d'air. C'est genre non, c'est hop, plus d'air dans la console quoi. Plus d'air dans le boîtier quoi. Vraiment. J'ai un peu galéré aussi pour la rêve du ventilo CPU. Bah il y a une vidéo YouTube qui en parle. Le problème c'est que c'est encore un connecteur spécial dans la machine apparemment. Et il va falloir que je fasse de la soudure parce que j'ai pas vu des gens qui en proposent. Enfin bref, on verra ça, attention c'est pas pressé. On verra déjà si je supporte le bruit ou pas. Et voilà, donc ça c'était le point arcade. Le point arcade, il revient. Puisque bah, c'est tout pour ma Naomi en tout cas. Toujours ici, toujours debout, toujours vivante. Et toujours prêt pour la faire. Attendez, j'arrive. Je viens de disparaître des radars, mais tout va bien. C'est de gérer deux trucs à la fois, c'est compliqué. Comment ça la mettre tous les soirs, celle-là? Bah du coup, si tu l'as, si t'as la rêve d'un ventilo avec le connecteur correct, Samison, moi je suis preneur. Mais du coup, comme vous le savez, vous êtes sur Haruno Taku, et tous les soirs, quand je fais un jeu, je le remets en contexte. Le jeu de ce soir, qui s'appelle Gourmet Warriors en américain, ou Gurume Sentai Balayalo, est sorti en septembre 95. En septembre 95, en arcade, il y avait une petite révolution, c'est que Namco essayait de damer le pion à Sega. Avec Rev Racer, le Sega Rally Killer. Il ne nous divertit plus. Il est tombé en panne. Pourquoi il ne regarde plus la caméra? Pourquoi sa bouche reste ouverte? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça va, je suis revenu, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Je viens vous divertir. Pouette. Ne vous inquiétez pas. Ridge Racer est un jeu qui, au même titre que Virtua Racing en son temps, ou encore Virtua Fighter, a marqué le monde de l'arcade. Il y a l'avant et l'après Ridge Racer. Dans la lutte effrénée à laquelle se livrent les deux géants du coin-up, Namco et Sega, il a été le challenger de Daytona USA. Sur PlayStation, il a fort logiquement fait partie des premiers titres disponibles sur la console, s'imposant d'emblée comme un soft par aujourd'hui Rave Racer, autrement dit Ridge Racer 3. On part du principe que Ridge Racer 2
est malheureusement sorti qu'en arcade, et que nous on a eu Ridge Racer et Ridge Racer Revolution sur PlayStation, et Ridge Racer comme troisième Ridge Racer, on n'a pas eu la même chose qu'en arcade, ce qui est l'enfer à chaque fois. Salut Tom Vokova, le vrai 3. Non, le vrai 3 c'est Ridge Racer. Ça a toujours été Ridge Racer et ça sera toujours Ridge Racer. Et t'en passes de créer le même engouement. Bienvenue à toi, j'espère que t'as passé un bon week-end. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end d'ailleurs. Noctua NF A4 x10. 5 volts x10. C'est pas trop. T'es sûr que j'en aurais pas trop avec x10? Ça va coûter tellement cher. Les ventilateurs Noctua, c'est ultra cher. Il est vendu avec des petites vis de placement et tout. Le début de mes vacances. Trop bien ça. Bah oui, j'en ai pas besoin de 10, Sam Nissan, voyons. Le gars qui est con. Le gars qui insiste. Ah bah, il y en a sur Amazon. Très bien. 15,90€. Bah, c'est pas cher. Je m'attendais à 1000 fois plus. Regardez les gros plans. Qu'est-ce que c'est moche, par contre, le code couleur de Noctua. Le code couleur de Noctua, on dirait des prothèses, vous savez. Les espèces de prothèses pour les gens qui ont été estropiés ou qui ont perdu une jambe ou un bras. C'est terrible. On dirait du matériel médical, mais des années 80. C'est vraiment, vraiment terrible, hein, les couleurs. J'aime pas du tout ce marron. Beige et marron, quoi. On se croirait dans un épisode de Derrick, en fait. Un petit peu. Enfin, une fois, ce n'est que mon avis personnel. Non, j'ai mis une petite marque de moule. Enfin, une petite marque ici, là, de... Parce que quand ça tourne, ça doit pas être nickel, ça. Rev Racer et ses moves de caméra qui donnent le mal de mer à Burp. Ah ouais, bah du coup, alors on va regarder. Rev Racer, excusez-moi. J'étais en pleine digression. Rev Racer en arcade, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, d'accord, effectivement. Bah déjà, on n'a pas lancé la vidéo qu'on voit déjà le mouvement de caméra. Ah, puis ils ont remis les panneaux Time Extended. Ça, c'est très rigolo. On passe un checkpoint et on a des panneaux suivants qui indiquent Time Extended. Ça, c'était cool. Ça, c'était une bonne idée de Ridge Racer. Pour le coup. Oula, ça flash les yeux. On a ce petit rendu entrelacé, hein, toujours. Très agréable. En arcade, j'adore ça, moi. Je suis vraiment fan du rendu un peu grésillant. Le top, c'est aux atterrissages après un saut. Ah oui. Couleur chair et grain de beauté. Chair et grain de beauté. C'est des CPU minuscules, donc ça peut... Ça peut sembler cher pour la taille, mais il y a plein d'accessoires avec. Donc, is ok. Oui, j'ai vu qu'il y avait des fixations, beaucoup de fixations. Merci beaucoup, en tout cas, Samissa, merci pour la ref. Super cool. Je vais pouvoir en acheter un, du coup. Je pense que je vais craquer. Bah, je verrai quand même ce qui se passe demain, avant. Waouh, comment on pénètre les voitures concurrentes. À la manette, ça donne trop d'à-coup, là. Moi, je pense qu'il joue à la manette, ouais. Il est en émulateur. Bah, c'est ce qu'on avait vu aussi, c'est ce que j'avais vu et que j'avais montré à Sam Nissan sur les adaptateurs de manette 360, c'est qu'on sait pas, enfin moi en tout cas j'ai l'impression que je me demande en fait si l'analogique fonctionne vraiment bien ou pas, puisque la seule démo qu'il y a sur YouTube, c'est un gars qui fait des à-coups complètement délirants avec son stick, c'est un peu con d'ailleurs, parce que Initial D, je crois pas que ça se joue que en à-coups, quoi. Il joue en digital, bah en tout cas il utilise pas beaucoup la course de l'analogique, ce qui est nul. Je sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'on peut pas vraiment le voir. Il accélère à fond, quoi. Il fait clac, 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 clac avec sa manette, c'est chiant. Moi, j'aurais bien aimé justement tester, mais d'après le créateur de l'adaptateur qu'il utilise, ça marche à l'analogique, quoi. Peut-être pas sur Initial D, mais sur 18 Wheelers, sur Virtual Home, il le garantit, quoi. Faut avoir. De toute façon, au pire, c'est pas beaucoup de perdu, et puis je pourrais toujours jouer à des jeux de voiture, même si c'est par à-coup. Ça sera déjà bien de pouvoir utiliser une grosse partie de la ludothèque de la machine, quoi. Ça me faisait un peu chier, j'avoue, hein, d'avoir une Eddim avec plein de jeux Naomi, sans pouvoir jouer aux jeux de voiture, ça m'embêtait un peu. Bah, c'était pas si mal, mais ça ressemble beaucoup à Ridge Racer, en fait. Est-ce que Ridge Racer, il est beaucoup moins beau que ça? C'est quoi la grosse nouveauté de ce Rev Racer, au final? It's Ridge Racer!
Ridge Racer PS1, Ridge Racer sur PlayStation a-t-il vieilli? Oui. Ridge Racer 2 sur arcade, tiens, on peut regarder ça. C'est vrai qu'ils ont eu, ils ont eu officiellement la borne Ridge Racer 2, mais officiellement, ils n'ont jamais eu le jeu Ridge Racer 2, quoi. Moi, je trouve pas que graphiquement, il y a eu une énorme évolution entre Ridge Racer et Ridge Racer 2 et Rev Racer, mais bon. Peut-être les circuits, je sais pas. Si l'analogique est gérée comme en ému, c'est ultra sensible car on a la rotation complète du volant appliquée linéairement au à la course du cycle analogique. J'ai aucune idée de comment ça marche. Je peux te donner la ref si tu veux. Je peux te donner la ref de ce que j'ai pris. Mais c'est la ref très connue. Hein. C'est le MP07 Iona, Iona pardon. Io pour in et out. Voilà. Je sais pas du tout comment le créateur l'a fait, il y a un site spécial où le créateur explique comment il a fait le truc. Je sais que VirtualOn fonctionne avec les deux sticks de la manette PS3 par exemple, et il faut appuyer sur le bouton PS pour activer le mode analogique quand tu lances le jeu sur JVS. Parce qu'il y a un VirtualOn sur Naomi, je l'ai jamais vu. J'ai hâte de voir ça. Faudrait que ce soit logarithmique pour avoir le centre du stick pas trop sensible. Ouais, c'est ça. Que en fait, plus tu maintiens... En fait, quand tu commences la course, ça fait le début du volant, et qu'après, ça... plus tu maintiens, et plus le volant va tourner, quoi. Au lieu de faire... Quand tu penches un peu le stick, ça penche le volant en conséquence de la course maximum du volant, quoi. Non, ça serait compliqué. Ça bougeait déjà beaucoup, Ridge Racer, la caméra. Hein. Ridge Racer 2. Ça gère le sinus du cosinus du sinusoïdal exponentiel et vice-versa. Bien compliqué. Ah, c'était lent Ridge Racer 2 surtout. C'est moi ou c'est ultra lent le jeu? C'est pas l'ému hein. Il me semblait que c'était même plus nerveux le premier sur PlayStation. Ah le cadeau. Ah le cadeau. Parce qu'il était laid surtout ce jeu dans ses interfaces. C'est d'une laideur, regardez-moi ça. On dirait qu'ils ont pris des briques d'images libres de droit pour faire les graphismes. C'est moche quoi. Quand tu voyais Daytona à côté qui avait une interface de ouf avec des logos et des trucs super stylés. Là ça fait vraiment vieillot quoi. Avec des lettres en Arial ou en je sais pas quoi là. C'était moins cool hein, quand même. Mou du genou ouais. Mais oui c'est clair. Dérivé à pi, exactement. Oh ouais, c'était mou du genou, Ridge. Et j'ai pas trouvé que Rêve était très différent, du coup. Par contre, là, il va être en vue intérieure pendant toute la course, je pense. Hein. Ou il passe en vue extérieure, à un moment. Pas du tout, hein. Il reste en vue intérieure. J'aurais bien aimé voir la vue extérieure pour voir l'effet de vitesse, mais là, même là, c'est lent. Hein. J'ai vraiment un souvenir plus rapide que ça. La phase PowerPoint 97, exactement. J'aime bien Rev Racer car il gère le force feedback, contrairement aux deux premiers. Quoi? C'est pas vrai? Ridge Racer, le premier Ridge Racer, ne gère pas le force feedback? En arcade? Mais non. Et il y a des gens qui mettaient en concurrence non, Daytona USA et Ridge Racer avec ça. Bah, je suis ravi de savoir ça. Ça fait un truc en plus. Ah bah ça. Merci Samnissan. Et merci Tom. Ça me fait un truc en plus contre Ridge Racer. Je pourrais détester ce jeu en connaissance de cause. Voilà. Alors on va commencer du coup le test disponible au Japon. Namco Arcade, évidemment, Rave Racer. Donc le troisième Ridge Racer à être sorti en arcade. Un jeu qui est en train de détrôner Sega Rally dans les salles d'arcade nippon. J'ai vraiment du mal avec ça. J'arrive pas à croire que Sega Rally en 95, septembre 95, ait pu être battu par Rev Racer. Ou alors vraiment qu'au Japon, quoi. Parce que en Europe, j'ai jamais vu... La seule borne Rev Racer que j'ai vue de ma vie, c'était dans le bateau qui allait en Corse. Il est arrivé le premier. Par contre, il propose une pédale d'embrayage et une boîte de H6 vitesse. C'est la version de luxe. Ça, c'est marrant qu'il y ait autant de vitesses dans un jeu de voiture en arcade, quoi. 6 vitesses, quoi. Sachant qu'il y a des jeux qui en font que 2. Il y a des jeux comme Crazy Taxi qui font marche avant, marche arrière, par exemple.
D'ailleurs, en arcade, c'est incroyable, mais en Naomi Crazy Taxi, il a vraiment un levier avant-arrière. Et genre, t'as vraiment que les deux vitesses, quoi. C'est hyper choquant de... Du coup, tu fais comme sur la Dreamcast, tu fais le... Avec la gâchette, là. Tu faisais passage en mode marche arrière, accélération marche avant, et ça faisait un putain de boost, un peu comme le... C'est un peu le même, les mêmes mécaniques que le... J'ai l'impression, en tout cas, que le long jump de Mario. C'est-à-dire que tu roules normalement, tu passes la marche arrière, tu réaccélères en remettant la marche avant, ça s'appelle... Et Mario, tu cours, tu te baisses et tu sautes en même temps, et ça te fait un espèce d'effet de vitesse ultra exagéré. C'est marrant, les jeux vidéo, comme un système aussi bête que ça peut être ultra efficace, quoi, en plaisir. Prenez un Ridge Racer, un standard avec ses animations qui décoiffent, des animations qui décoiffent, ouais, à 20 km/h, mais qui décoiffent, le réalisme du rendu de la piste, le nombre et l'agressivité des concurrents, jouer les messieurs, plus, et améliorer tous azimuts. Il n'y avait qu'un circuit dans Ridge Racer, qu'à cela ne tienne, rajoutez-en 3. Ça y est, ils ont enfin compris qu'il fallait mettre plus qu'un circuit dans un jeu d'arcade. La représentation du circuit par son réalisme, faite à l'excellence, faite dans le sublime. Ces gens-là n'ont pas joué à Daytona, en fait. Raffinerie, immeuble de construction ou tour de métal ultra moderne, plaine ou forêt, rien n'y manque. Il y a des plaines et des forêts ? Manque les textures mappées. Rien n'y manque, pardon. Les textures mappées sont plus fines et détaillées que précédemment, et la meute de concurrents a encore grossi. Vous pouvez prendre le volant de 8 véhicules différents. Ceux-ci sont beaucoup plus colorés que dans la version précédente, et leur rendu a été encore amélioré. Le nombre de polygones qui constituent les voitures a été augmenté, du coup, les angles des automobiles sont beaucoup plus arrondis, leur conférant davantage de réalisme. Malheureusement, Namco n'a pas encore intégré les superbes crashs façon Daytona USA. C'est marrant de se dire que pour eux, le seul truc qui est vraiment... qui manque dans Ridge Racer, c'est les crashs de Daytona, quoi. Cependant, désormais, lorsque vous heurtez un concurrent, vous perdez moins de temps que dans Ridge Racer. Dans Ridge Racer, c'était infâme. Quand on rentrait dans le cul d'un concurrent, le concurrent partait en vrille en avant, et vous étiez presque réduit à zéro, quoi. C'est un truc de dingue. Deux vues pour le prix d'une. Vous avez désormais deux angles de vue à votre disposition. Juste baisser un peu la musique. Stomp, le fameux stomp, ouais. C'était atroce. Ce truc-là, quel enfer. Tu rentres dans un virage, il y a un mec qui galère et qui ralentit, tu le prends direct, quoi. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. La première vue intérieure correspond à la vision du conducteur. La seconde, extérieure, appréhende le circuit à l'arrière de votre véhicule, légèrement au-dessus. Par ailleurs, un rétroviseur est désormais disponible. Cet axe est désormais disponible ? Il n'y avait pas de rétroviseur dans le premier Ridge Racer ? C'était un putain de brouillon, cette borne d'arcade, en fait. J'arrive pas à croire tout ce qu'il n'y avait pas dans Ridge Racer, en fait, quoi. Le force feedback, le rétroviseur. Et les crashs. Mais là, on parle de Rev Racer. Dans le console plus, parle pas de Ridge Racer. Je vous rappelle qu'il parle de la troisième évolution. Donc l'arrivée du rétroviseur, c'est incroyable. Cet accessoire est fort utile, non seulement pour surveiller, anticiper et bloquer l'arrivée des concurrents qui essayent de vous doubler de tous côtés, mais également pour vous recoiffer ou vous repoudrer le nez. Rev Racer a une spécialité, les boss, Dodan et autres embûches. Le choc à l'atterrissage de la voiture est très bien rendu, n'en déplaise à Tom Vokova, et vous avez l'impression de rebondir littéralement dans l'écran. Et c'est très agréable à l'œil et ça fout pas la nausée. Les bolides, pas moins de 8 véhicules sont à votre disposition, ils sont tous décorés des références aux jeux de Namco, Tekken, Galaga, Galaxian, Steel Gunner, ou encore aux attractions de parcs de jeux Namco, la Wonder Egg, The Tower of Druaga, Project Dragon. Je comprends moins de glissades que dans le Ridge Racer original. Les décors ont été améliorés. C'est fou comme les photos sont beaucoup plus belles que le jeu, hein. Vous savez, c'est le fameux effet émulation. Le fameux effet quand vous jouez à un jeu en émulation du passé, et que vous vous remémorez du même jeu sur cathodique, sur la vraie borne de l'époque. En fait, la presse, c'était un peu entre les deux. On l'a vu aussi avec Mario 64 récemment, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un magazine qui distribuait à l'époque les vidéos de preview que la presse avait eues, notamment la presse jeux vidéo magazine avait eu pour faire les screenshots de Mario 64. Maintenant, on a une vidéo haute qualité, enfin, on a les screenshots haute qualité plutôt, pas de vidéo, je crois.
les screenshots haute qualité. Et les screenshots haute qualité ressemblent beaucoup plus à Mario 64 sur 64 qu'à ce qu'on voyait dans les magazines en se disant « Putain, ça avait l'air plus fin, ça avait l'air plus joli, c'était faux, c'était pas des vrais screenshots, c'était pas le vrai jeu, machin. » En fait, c'est juste que les magazines papier ont un effet de rendu, notamment avec la manière d'imprimer, de projeter l'encre sur le papier, qui fait que ça a l'air plus sharp, ça a l'air plus net, les jeux, et ça a l'air plus haute résolution, les images, parce que ça vous brouille en fait le principe de la résolution, ça retire les pixels aux images, et ça met des points d'impression. C'est pas exagéré du tout, la caméra, ouais. La caméra n'est pas exagérée. Non, apparemment elle est très réaliste, après le monsieur. Et vous voyez, ce genre de screenshot, bah, ça donne l'impression que le jeu était beaucoup plus beau qu'il ne l'est réellement, quoi. Qu'il ne l'est en tout cas en émulation ou en sortie vidéo sur écran plat, quoi. Sur un cathodique, c'est un peu comme ça, c'est peut-être un peu moins net, mais voilà. Rêve Racer ou la route de tous les chaos. Le logo était moche. J'aime vraiment pas la série Ridge Racer en arcade. Je trouve qu'ils ont fait des trucs beaucoup mieux à partir de la PS3 pour Ridge Racer. D'ailleurs, il faut que je fasse Ridge Racer 7 en PS3, tu vois. Ça fait longtemps que j'avais dit... J'ai laissé suffisamment de temps entre les Ridge Racer, maintenant. Intérieur ou extérieur? En sélectionnant la vue intérieure, vous voyez la route à travers les yeux du pilote. Vous disposez alors d'un rétroviseur. C'était quand même du 480p. T'es sûr que c'était P? Mais alors pourquoi cet effet de grésillement, là? Je crois que ça, c'est peut-être du P. Mais par contre, sur Rêve Racer, il y avait un vrai effet. Après, c'est peut-être l'émulation qui était pourrie. Hein, mais... Parce que dans la vidéo de Rêve Racer, j'avais vraiment une impression de grésillage. Après, l'émulateur, il émule pas le 480i. C'est la Polyméga qui faisait ça. La Polyméga, console de luxe d'émulation avec des modules et tout, là, qui était sortie par Playmagie. C'était une machine d'émulation haut de gamme. Qui émulait très bien, entre guillemets très bien, la Saturn avec un corps dérivé de Mednafen, qui est très cool, Mednafen, un des meilleurs émulateurs Saturn, si vous voulez jouer au jeu en 3D et les bien émuler. Ils avaient fait un système pour émuler l'entrelacement des images en mettant les deux champs. C'est-à-dire que, en gros, l'entrelacé, ça rend en deux champs au lieu d'un seul. C'est-à-dire que ça rend le champ pair et impair. En une frame un champ pair et avec l'autre frame un champ impair, et ça varie comme ça et ça fait un grésillement très léger de l'écran, là où le 240 ou le 480p va rendre en une fois, il n'y a pas de grésillement du coup. Et ce grésillement, il l'avait émulé, il l'avait créé sur leur émulateur en faisant un effet, même en HDMI t'avais l'impression que le jeu grésillait, c'était très très cool. C'est marrant cette introduction là, bon il doit la skipper mais du coup, mais on en parle de cette intro là dans Rêve Racer ou pas du tout? Parce que bon, je veux dire, d'accord, mais quand même. C'est vrai sur système 22, d'accord. Et le système 22, c'est forcément 480p? Le système 22, c'est une PS1++, non? Parce que là, sur PS1, c'est compliqué, hein, quand même. Hein. Sans clipping, là, sur PS1, c'est chaud. Là, ça affiche loin, hein, de ouf, hein. T'affiches loin et une grosse quantité de trucs surtout. Et puis surtout la 3D est parfaitement stable. Et qu'on a renversé pour les crédits, c'est rigolo. Oui, c'est vrai, c'était marrant ça. Ça me donne envie d'y jouer en arcade à ce jeu. Mais système 22, c'était jamais, j'imagine. Le JVS, c'est arrivé quand? D'ailleurs, 98, 97. Je sais pas si c'est la Naomi qui l'a mis en place, je pense pas. Hein. Ça existait avant, je pense. Conduite en mode radio commandé. Ouais. Oui, pour les crédits, ouais. C'est marrant, ça. Un mode Resident Evil, on peut dire, presque. C'est quasiment du Resident Evil, du coup. Quand tu vois la voiture à l'écran et que t'as pas la caméra dessus ou dedans, t'es un peu Resident, quoi.
Il n'y a que chez moi que le stream galère. Alors ça serait une bonne idée de savoir. Est-ce que ça galère chez vous aussi, les gens? Moi, j'ai pas de problème de paquet perdu. Peut-être le Z-Event qui est en train de foutre le bordel sur Twitch. Moi, rien. Ah. Remettons en question, Tom Vokova. Hein. S'il te plaît. Disposez alors d'un rétroviseur. Cette fois-ci, vous pilotez la voiture jaune en vue extérieure. La vision de la route et de ce qui vous entoure est plus large. Oui. Rien, c'est-à-dire écran noir ou... Le mec qui psychote. Trois petits tours et puis s'en vont. Rev Racer comprend donc quatre pistes. Deux sont destinées aux débutants, une aux joueurs moyens. Enfin, la dernière est réservée aux joueurs qui font les trois premières courses, les yeux fermés à l'envers et en manuel. Oui, regarde donc une publicité, Tom Vokova, s'il te plaît. Merci. Track 1, débutant. Le premier circuit est identique à la bonne vieille piste de Ridge Racer. Et il correspond au circuit rouge sur la carte, ci-dessous. Ci-dessous. Effectivement, c'est la carte, la fameuse carte de Ridge Racer. Track 2, la course se déroule sur une voie rapide qui traverse la ville. Les tournants et angles droits sont nombreux et il y a plusieurs dodades à la fin du parcours. Un train passe sur une voie qui surplombe la route, le joueur parcourt le circuit rouge et jaune. Rouge et jaune. Par contre, jaune. Comment dire ? Ah, et jaune. Attends. J'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire par rouge et jaune. Mais bon, bref. Track 3. C'est que très proche de la piste de Ridge Racer, hormis le fait qu'il passe à travers différents ponts et que la ville est différente, plus vaste et plus détaillée. Le track 4, Otaku, le circuit pour les experts où les courses ont lieu de jour comme de nuit sur les chemins escarpés de montagne. Il vous arrivera de chuter pour y revenir, vous empruntez le tunnel. Empruntez le tunnel. Non, ça. Le stream est parfait comme d'habitude. Oh, le faillot. Le faillot qui veut son gacha gratuit, là. Je le vois, hein. Mais ce soir, on n'est pas là pour parler d'arcade et de Ridge Racer, même si c'était bien cool, et qu'on en reparlera. On est là pour parler de Gourmet Warriors aux US, alias Gourmet Sentai Balayalo. Gourmet Sentai Balayalo, c'est un side-scrolling beat'em up, donc un beat'em up, surréaliste, développé par Winds et publié par Virgin Interactive Entertainment au Japon, effectivement. Sur Super Famicom en 1995, uniquement sorti au Japon et réédité récemment, le 30 janvier 2018 exactement, par Pico Interactive. Ils ont notamment créé une cartouche SNES US en 2019 pour la première fois, avec la traduction anglaise complète et officielle du jeu. Donc, ouais, il y a donc une trad anglaise sur la version de Pico Interactive. Alors attends, Pico Interactive... On peut avoir le site officiel. Hop, ouais, oui, c'est pas grave. En même temps, c'est pas comme si ça m'intéressait d'aller l'acheter. Vous allez voir que sur Bali, par contre, il est très très cher, le jeu. Très très drôle. Pas Super Nintendo. Ok, ils ont gardé tous les jeux qu'ils avaient fait. Gourmet Squad. Pas le backcover. Et les cartouches seules, c'est 9,02€. C'est tout. Pas le backorder. Ah non, backorder. Pourquoi je dis backcover? Backorder. Par contre, il propose le jeu en PAL, mais il montre pas à quoi ressemble la cartouche PAL. Donc ça doit être une cartouche PAL, je pense. Et la cartouche seule, c'était 9,02€. Complete Inbox, 54,09€. Ah non, d'accord, pardon, l'édition Complete Inbox est 54,09€. Et si t'enlèves la boîte de la cartouche, c'est moins cher, de 9€. Donc en fait, la boîte et la notice, ils le font payer 9,02€. Un peu cher. C'est pas cher, vous dites. C'est moins 9,02€, c'est ça. Moins 9€ si tu retires la boîte et la notice. Et une version japonaise. Aussi.
Ils ont réédité la version japonaise, par contre, ça c'est un truc. Mais je pense que. Je me demande si c'est vraiment différent. La cartouche doit être différente, mais. Bon, en tout cas, il y avait une version anglaise, quoi. C'est assez, assez étonnant qu'ils aient fait une version anglaise. Pouette. Alors, le gameplay, chacun des 5 niveaux a un temps limité. Les joueurs perdent tous les ingrédients. Qui ont été acquis quand le timer atteint 0. Donc quand on a plus de temps, en fait, on perd tous nos ingrédients dans le niveau. On ramasse de la nourriture quand on tue les ennemis, j'ai vu ça. Cela dit, le jeu n'a pas de concept sur le nombre de vies que le joueur peut avoir dans le jeu. C'est automatiquement un game over si le joueur meurt. Se focuser sur la limite de temps est donc très importante si le joueur veut récupérer sa force perdue après un combat avec le boss du niveau. Une des features notables du jeu est le bouton utilisé pour faire que le personnage fasse des pauses Sentai. Donc c'est ces fameuses pauses Sentai qui remettent de la vie dans la ROM que j'ai dans mon FX Pack ce soir, puisque ça augmente la facilité du jeu en fait. Ça rend le jeu plus facile puisqu'on perd moins de vie. Enfin, on peut récupérer de la vie, quoi. Si vous utilisez donc une touche directionnelle et que vous maintenez la touche CA, je crois, ça vous fait faire une pause Sentai. Ça permet au personnage de flexer ses muscles, mais elle ne sert à rien à part ça. Elle sert à quelque chose dans le mode de ce soir. Le plot, on va voir dans le jeu, je pense. On va voir aussi les jaquettes, comme ça vous allez voir la tête de la jaquette, elle est marrante. C'est pour ça que vous l'avez un peu déjà vue, mais là vous allez la voir en grand, bien sûr. Voilà la jaquette du jeu. Et translucide bleu en Jap, c'est incroyable. La cartouche. Il y a peut-être des clients pour la version japonaise. Peut-être qu'il y a des clients européens pour la version japonaise, ouais, parce que Pico, je sais pas s'ils vendent beaucoup en Asie en fait. C'est ça que je me demande. Je me demande si l'intérêt de vendre un truc à des Japonais via un canal très, très européen, ça marche. Mais... Cool. Cool. Bleu translucide, ça doit être joli. Donc le développeur, c'est Fupak et Winds. On va regarder qui sont les développeurs, du coup. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? On peut voir aussi l'arrière de la boîte, d'ailleurs. Les personnages ont l'air incroyables. J'ai très très hâte de jouer. Juste pour voir la gueule des persos, j'ai vraiment hâte. Les crédits. On peut voir que notamment les développeurs du jeu ont travaillé sur Front Mission. Et Tonari no Princess Rolfi. Un jeu PCFX. Un jeu de dating sim. Si ça, c'est pas étonnant quand même. Il est marqué genre aventure, mais ça ressemble à un dating sim. Attends, il a une traduction anglaise ce jeu? Parce que du coup, on pourrait le faire. Je dis jamais non à un jeu PCFX, vous le savez, hein. C'est très gênant. Lorufi. Comment savoir si ce jeu a une traduction anglaise? On peut faire cette méthode-là. The Visual Novel Database. Tonari no Princess Japan. Il n'a pas été traduit en anglais. Et du coup, c'est un jeu d'aventure un peu à la. Oui, un visual novel un peu à la Lamu, quoi. Sur Mega CD. Je cite souvent Lamu Mega CD parce que ça a été le premier visual novel de ma vie. Que j'ai découvert dans Mega Force, je crois. J'en parlais. Et qui montrait comment ça se jouait. Et je disais, ah putain, on dirait un jeu PC. Comme à l'époque, je comparais tout ce qui existait déjà à des jeux PC. Et il y a aussi Roommate Inoue Ryoko, qui doit être un jeu exactement du même calibre. Un jeu quoi, ça? Un jeu Saturn et PlayStation, Roommate Inoue Ryoko. Attends, on peut regarder une vidéo de ça? Ou c'est dangereux? J'ai un peu peur. J'ai un peu peur, on va juste faire ça. Ah mais en PlayStation et Saturn, il n'y a aucun risque. Oupak.
théâtre, un jeu d'aventure, visual novel, pareil. C'est pas si mal graphiquement. Enfin, on voit qu'on a affaire à des gens qui font beaucoup de visual novel à cette époque-là. Dont certains un peu fripons d'ailleurs. Je sais pas si c'est Fripon en fait, le jeu d'aventure qu'on a vu tout à l'heure. Je vais regarder. C'est quoi? Vous dites rien. Hein. Si le robot de Twitch il vient vous voir en DM, vous lui dites pas Haruno Taku, il a diffusé des trucs bizarres. Oui, c'est vrai. D'accord. Parce que sinon, moi, je me fais ban et après, je peux plus faire la fête le soir et vous montrer des jeux. On va regarder l'intro. Ouh, ça c'est une vraie PCFX. Ça c'est une vraie capture de PCFX qui a 16 ans, ça. Oh oui. Presque l'âge légal. Waouh, l'animé il est ultra soigné par contre. C'est vraiment méga bien dessiné quand même. Un film interactif, ou alors ça vient peut-être d'un animé très connu et ils ont récupéré les vidéos. Ça se tente, hein, même si en japonais je vais être vite limité. Ah, mais c'est super sympa hein, les vidéos. Qu'est-ce que j'aime les animés comme ça dans les jeux PCFX? À chaque fois, c'est des vidéos de qualité de ouf. Et à chaque fois, c'est des animés ultra soignés, quoi. Incroyable. Bon, bah, maintenant, on en sait un peu plus sur le développeur de ce jeu. Et Front Mission, bah, je sais pas ce qu'ils ont fait dessus. Je me demande s'ils ont pas, genre, aidé. Square Enix, Square Enix, Square Enix. Ils sont même pas dans les. Attends, ils sont peut-être dans les Special Thanks comme Ed. Wins, voilà. Coopération, ils ont été aidés par Wins. Donc le développeur du jeu de ce soir a aidé Squaresoft sur différents aspects du jeu. On va pas savoir exactement quoi, je pense. Mais ils ont aidé le jeu. Ils ont aidé la sortie du jeu. C'est quand même intéressant de se dire que bah, Win, c'était aussi une boîte qui faisait du support. Shoshin Eiki Zero Aiga. Oh, Zero Aiga, c'est pas le shoot'em up de la PCFX, c'est le seul shoot'em up de la PCFX, et Wins a participé. Tupac et Wins ont participé au jeu. Ça, c'est fou. Donc, ils faisaient quand même des bons jeux, ces gens-là. Bon, j'ai hâte d'essayer le jeu de ce soir. Je sais pas si vous connaissez Zero Aiga, je l'ai déjà fait en stream. Je me faisais dégommer dans tous les sens. C'était d'une tristesse. C'est le stream où j'ai eu beaucoup de frustration, parce que je vous ai pas montré beaucoup dessus. J'aurais bien aimé vous en montrer beaucoup plus. Et malheureusement, bah c'est un shoot'em up quoi. You'll notice instantaneously and takes a little while to get used to, myself included, is your ship at its base. Non, mais c'est video game, c'est Erika. I've never played a shmup where your ship is this fast at the start, and most shmups aren't even this fast when you do have a fully speed power up. Et là, c'est là qu'on voit que le potentiel de la PCFX était quand même énorme. C'est vraiment dommage que la PCFX ait pas eu le temps de faire des jeux, parce que bah on voyait qu'elle pouvait vraiment faire des trucs cool en qualité PlayStation, quoi. Je vais te louter, bonne nuit. Bonne nuit, Sanison. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé. À la prochaine. On va passer à la suite. Là, hop, hop, hop. Et on va faire... on va vous montrer la traduction utilisée ce soir. On connaît bien... Mais bien, sa voix monocorde. Oui, j'ai reconnu instantanément. J'ai dit, putain, mais il a la même voix que Video Game... Bah, pas, j'ai pas eu le nom tout de suite, mais quand j'ai vu le titre, j'ai fait, ah oui, d'accord. Gourmet Sentai para Yaru donc a eu une traduction et une simplification. Voici la page, sa page ROM hacking si vous la voulez. Comme ça, vous pouvez hop, directement le patcher le jeu. Et ça vous donne aussi. Alors, est-ce que c'est écrit quelque part ça? Translation. Da.
Ouais, j'imagine que c'est Various Built-in Secrets, mais effectivement, dans cette version de la ROM, vous pouvez choisir de patcher ou non le mode où vous récupérez de la vie quand vous faites des pauses Sentai, et moi j'ai mis oui. J'ai pris cette ROM-là. On va passer à l'instant Bailly, puisque c'est tout ce qu'il y avait à dire. What are you buying? On va avoir 1 heure d'avance sur le démarrage du jeu, c'est incroyable. Bailly, qu'est-ce que c'est? Bailly, qu'est-ce que c'est? Bailly, c'est un proxy, c'est un magasin, service de magasin qui vous permet d'acheter au Japon sur des magasins qui ne vous permettent pas d'acheter au Japon sur des magasins. Par exemple, Yahoo Japan Auction ou Mercari ne vous permettent pas en tant qu'étranger de commander. Vous faites quoi? Vous allez sur Bailly, vous créez un compte avec mon lien affilié, baillylink.co/arinotaku qui est dans le chat, et vous allez voir ma vidéo YouTube pour voir comment faire de bonnes affaires. Évidemment, puisqu'il faut acheter des lots, il y a plein de règles comme ça, plein de choses qui vont vous faire économiser un maximum d'argent. Récemment d'ailleurs, pour quelqu'un, j'ai dépensé l'argent de quelqu'un via Bailly. C'est un peu ça. J'ai acheté pour 10 manettes Neo Geo. Donc il y avait 4 sticks à l'ancienne, 4 sticks cacahuètes et 2 manettes Neo Geo. Et une Neo Geo en boîte très bon état. La totale, sans compter les douanes, parce qu'on n'a pas encore le chiffre sur les douanes, mais sans les douanes, 1200 euros. 1200 euros pour une Neo Geo complète, très bon état en boîte. 4 manettes anciennes, 4 manettes cacahuètes et 2 manettes Neo Geo CD. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Vraiment. Aujourd'hui, si vous cherchez ça sur le web français, malgré la TVA, malgré les 20% à rajouter à cette somme, vous allez prendre cher, je pense. Et oui, parce que je peux être personal shopper avec mes proches, pourquoi pas devenir personal shopper plus tard, pour plus de gens d'ailleurs. Mais voilà. Quand tu gères les frais de douane, c'est quoi le mieux comme option? Alors, il n'y a pas de meilleure option, Zodo, pour les frais de douane. Il y a des frais de douane pour tous les colis qui partent de chez Bailly et qui arrivent chez toi. Par contre, en fait, tu les gères, tu peux les prévoir en sachant que ça va être le prix total. Ça va être 20% du prix total, c'est-à-dire le prix de ton colis plus le prix des frais de port. C'est 20% de ça. Et tu rajoutes 15, 20 euros, 15 euros plutôt de frais de dossier. Et ça, on peut plus passer au travers depuis juillet 2021, je crois. Oui, ça marche pas. En fait, ça avait été signalé. Hein. Bah, ils nous saignent. Non, en fait, ils récupèrent l'argent qui leur est dû. C'est normal. La TVA, c'est pas vraiment une taxe malhonnête, quoi. On est prévenu. Mais on peut. Alors, c'est. Bah, il le fait pas pour le coup. Et s'il le faisait, en fait, tu paierais plus cher. Mais ils peuvent aussi, les magasins, pré-déclarer les douanes dans les prix. C'est ce que fait AliExpress. AliExpress, par exemple, les prix ont augmenté. Ils récupèrent de l'argent, je sais pas où, mais ils récupèrent de l'argent sur les douanes, quoi. Mais ça, c'est pas censé les regarder, c'est des produits d'occasion, des produits d'importation. En fait, ce qui importe, c'est importation, pas des produits neufs. Et c'est vrai que la valeur ajoutée n'est pas censée se répercuter sur l'occasion, mais encore une fois, les douanes sont pas censées aller enquêter jusque-là. C'est un risque à prendre. C'est même pas un risque à prendre, c'est une taxe qui est connue, quoi. Après, il y a des gens, je sais, qui font tout un tas de trucs, hein. Il y a des procéduriers qui ont gain de cause, même parfois, auprès de FedEx et auprès de grands groupes. Si tu contestes l'importation, et ils peuvent faire des exceptions, ça peut arriver, quoi. Moi, je garantis rien et je préfère pas le faire, mais il y a des gens qui le font sur des sites qui t'expliquent que tu dois renvoyer un formulaire, que tu dois faire marcher des trucs, des textes de loi. Mais d'une, j'ai pas le temps, et de deux, j'ai pas le temps. Et surtout que j'ai pas le temps. Et j'ai jamais pu voir si c'était vrai d'ailleurs. Un peu compliqué. Bienvenue à toi, donc, bienvenue à toi en tout cas. J'espère que tu vas bien. Et que t'as passé un bon week-end. Je vois qu'il y a une version CD du jeu, tiens. C'est peut-être l'OST, je sais pas. En tout cas, la version cartouche seule, Sunfade, sur Super Famicom, vous voyez qu'elle est à des prix mirifiques. On arrive à 74,14 € pour la version cartouche seule. Vraiment défoncée, pour le coup, il y a presque plus d'encre dessus, tellement elle s'est fait Sunfade les fesses, cette cartouche. Elle a même un coup de soleil. Putain, c'est vraiment. J'ai jamais vu une cartouche aussi Sunfade sur SNES. Sur Super Famicom.
L'arrière était intacte. Je pense qu'elle a été posée par terre, avec le soleil dessus. Mais c'est cool de voir que l'arrière est intacte, c'est déjà ça. Quel massacre. Bon, 74,14€, c'est très très cher. C'est un jeu qui doit coûter très cher, parce que c'est un jeu de la fin de vie de la Super Famicom 95. La PlayStation était déjà sortie au Japon. Et on a ici un pack de jeux à 2359€. J'imagine que c'est des jeux rares. Salut Fred Kit. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que c'est? Alors je connais pas ces jeux, ça doit être des jeux rares parce que le truc est cher quand même. On a le fameux jeu de ce soir. Je sais plus le nom du jeu, c'est terrible. Gourmet Sentai Balayalo. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Clock Tower, c'est cher Clock Tower. Battle Mobile, je connais pas, tiens. On a Psycho Dream qui est Sunfade, ou qui est comme ça. Ça m'étonnerait qu'il soit comme ça. Salut Van Gridman, comment ça va? Oh, The Fireman en boîte, donc ça c'est cher. Il n'y a pas la cale dedans. Il n'y a pas les cales dans les jeux, on dirait. Ou alors il y a les cales, mais il les a pas retirées. Alors il y a peut-être les cales quand même. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas les cales. La cale en plastique, vous savez, qui tient le jeu. Parce que ça, c'est un jeu qui est très très cher. Donc, à la limite, je comprends que ça soit 2000 balles. Je pense que tous ces jeux-là sont chers, globalement. Septentrion. Alors, celui-là, Par contre, moi, je le comprends pas. Ah, mais il fait déjà le tirage au sort, attends. Tirage en cours? Mais non. Alors, attendez. Ah merde, du coup, j'entends pas non plus. Ah non, c'est le tirage... D'accord, c'est pas le bon tirage au sort. C'est pas le bon tirage au sort. Comment ça, Gotax, aucun des deux? Merci, CLQF. Je le disais bien, c'était pas là. Du coup, on revient sur... pardon, désolé. Hop, hop, hop. Brother. Et salut, monsieur Neko, comment tu vas? Oui, salut, Akiba. Comment ça va? Bah ça va super, écoute. Moi ça va super bien. On a vu un jeu. On est en train de. Ce soir on joue à Gourmet Sentai Balayalo, qui a été réédité en 2018 sur Super Nintendo et Super NES américaine et Super Famicom par Pico Interactive, c'est ça? Et c'est un jeu japonais, un beat'em all, entièrement basé sur la bouffe, qui a l'air très rigolo et qui est pas très connu, sorti en 95 sur Super Famicom, qui a eu un destin assez funeste. Et on regardait sur Bali sa valeur, il vaut très cher, et il est dans un lot de jeux très chers, ici. Il y a notamment Septentrion, il y a Clock Tower, il y a le jeu de ce soir, donc Gourmet, et Battle Mobile, enfin plein de jeux très chers de la Super Famicom, et Septentrion, Psycho Dream aussi, Septentrion, en fait, il me rend curieux. Septentrion, ça va être un jeu de bateau. Ça va être un jeu d'aventure en fait. Un jeu human en plus. Oh, ça a l'air vachement intéressant. On dirait Clock Tower. Je connais pas du tout. Ah oui, il y a des dialogues et tout. C'est une bonne découverte, ça, tiens. C'est SOS. Moteur de Clock Tower, c'est sûr. Ça y ressemble, en tout cas. Septentrion, il s'appelle le jeu, ouais. C'est sûr, ça ressemble vraiment drôlement à Clock Tower. C'est assez human, en même temps. Ça a l'air incroyable comme concept de jeu. C'est quoi le nom, déjà? Un 64 DD en fond, exactement. Un vrai 64 DD. Que j'ai toujours alors que ma bande d'arcade arrive. Hein. C'est Whirlow avec les persos en vert. Oui, le perso en vert, c'est Whirlow, ouais, ouais. Je connais très peu le jeu. Je sais juste qu'il doit coûter cher, du coup. Moi aussi, je regarde Septentrion, ça a l'air intéressant. Enfin, je regarde ça de plus près. Je vais le noter dans mon super bloc-notes magique de jeux vidéo. Septentrion. L'aventure de Poséidon en jeu. Septentrion. Lyon, SFC, un jeu human, ça suffira. Parce que déjà, ça suffira pour que je re-regarde. Moi, vous me dites un jeu human, je regarde. Tous les jeux human m'intéressent, vraiment.
Donc voilà, c'est un lot de jeux très chers, 2 359 € pour tous ces jeux en boîte et notice. Et notamment, bah, dedans, vous avez le jeu gourmet avec sa fameuse jaquette si particulière. SOS en version US. Ah, il existe en US ? CSOS, c'est un petit peu vague, mais CSOS en version US, c'est mieux. SOS Super NES. SOS, effectivement, Septentrion. Et c'est Vic Tokai qui a édité le jeu aux États-Unis, effectivement. Et c'est Human qui s'est auto-édité, parce que Human avait cet intérêt-là de s'auto-éditer là-bas. Ah, par contre, d'accord. Attends. C'est pas le même jeu. Il y a vraiment deux jeux sur Super Nintendo qui sont sortis, qui s'appellent SOS, et qui sont pas les mêmes jeux. Et il y en a un, c'est Titus qui l'a fait avec ses jaquettes de l'enfer, là. Oh. S. S. Faut absolument que j'essaye Septentrion, maintenant. Ça y est, je suis hype. Basé sur le livre de 1962 et le film de 1972, L'aventure du Poséidon. Effectivement, le jeu se déroule le 13 septembre 1921 à bord d'un paquebot, le Lady Cinquitania. Celui-ci chavire et commence à couler après avoir été frappé d'une énorme vague au large de Humbleton, en Angleterre. Le joueur doit réussir à fuir le bateau et survivre au naufrage en incarnant l'un des quatre personnages jouables. Ça a l'air beau, hein. Bon. En tout cas, hein. Bon. On va voir s'il y a d'autres exemplaires du jeu pas trop chers et on va commencer à jouer à gourmet du coup. Ah, on a une version gourmet ici, 370 €. Unused, mais pas neuve, hein, clairement, puisqu'elle est Sunfade de ouf. Encore un jeu Sunfade. Jeu difficile et chronométré, j'adore ça. J'adore les jeux difficiles et chronométrés. S'il peut y avoir en plus des altérations d'état, genre du poison, et en plus de ça, des objets infinis et un inventaire très limité. Très cool. Et alors, s'ils pouvaient rajouter de la plateforme insupportable sans air control, avec des sauts vraiment pas où, genre vraiment où l'erreur est très facile, ça pourrait vraiment, vraiment m'aider, quoi. Ça, j'adorerais. Hein. Et, pas de magasin, voilà. Surtout pas de magasin dans le jeu, quoi. C'est un peu flashback, mais dans un bateau, quoi. Oui, ça, c'est réducteur, mais c'est ça. D'accord, merci beaucoup, Space, pour le nom du jeu, du coup. Comment inverser quand confus exactement. Paralysie. Tu sautes, l'ennemi te paralyse, tu tombes, tu meurs. Pas de continu, pas de password, pas de sauvegarde. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est tout ce que j'aime. Hein. Vraiment, si vous arrivez à trouver un jeu qui a tout ça, et des softlocks. C'est-à-dire que tu continues à jouer, mais tu peux plus progresser. Ça serait... Ah, c'est ça. Perfection. C'est ça que je veux dans les jeux vidéo. Pas de politique dans mon jeu vidéo, mais tout ça, d'accord. C'était pas une partie de ma collection. 370 € pour une version en boîte, quasi complète, effectivement. Il y a la red card, il y a bien la boîte qui est en état, qui me semble Sunfade. Et quand on regarde la jaquette de Gourmet Warrior, on peut voir quand même que la cover avait l'air plus colorée que ça. Ouais. La jaquette est quand même vachement plus colorée dans la vraie vie. Bien sûr. Ensuite, on va chercher sur Yahoo Auction vite fait. On va pas démarrer à 22h, on va pouvoir démarrer. J'ai un deal qui fait que je démarre à 22h, pas avant. Et on retrouve à des prix super chers, voilà, 53 € en mise à prix, en enchère pour 5 jours restants. On a du 83 € la version rééditée, tiens. La version en réédition, avec la cartouche bleue transparente de Pico. 83 € pour une version rééditée moderne. Ah, c'est du foutage de gueule, quoi. Oui. C'est du foutage de gueule. Surtout qu'il est à 50 € en attente de restockage. L'étiquette est dégueulasse. Hein. Le cart mode est pas propre, je trouve. L'étiquette est brillante. C'est très très laid. J'aime pas les étiquettes brillantes sur les cartes mode, je comprends pas. Par contre, l'impression de la boîte est pas mal.
Je sais pas ce que t'en penses, Erax. Est-ce que tu trouves que c'est bien fait ou pas? Moi, j'aime pas l'aspect... L'aspect bleu transparent, ça aurait pu être sympa, mais je pense qu'un peu plus fumé, ça aurait été mieux. Encore moins... On voit un peu moins l'intérieur, parce que là, c'est cheap. On voit la carte à l'intérieur, c'est un peu... Je sais pas. Les cartes mode aftermarket sont rarement sympas. Mais si, les tiens sont cool. Voyons. Voilà, on est autour des 100 euros, voire 600 euros pour les plus chers. Je sais pas pourquoi c'est si cher d'ailleurs. Mais non, on est autour d'une centaine d'euros pour le jeu avec des mises à prix à 50 balles sur Yahoo Auction. Attention! Et on passe au jeu! C'est très tôt pour passer au jeu, hein. Comme une table. Je sais pas si vous avez la ref. Alors voici Mademoiselle, la reine des fées ailées. Mademoiselle a été emmenée au bord de l'extinction par sa chasse aux fées qu'elle poursuit depuis sa naissance. Virgin, ouais, au Japon aussi. Il a été distribué par Virgin au Japon, ce qui est très bizarre. C'est-à-dire que je pense que les développeurs n'ont pas trouvé de publisher, et il n'y avait que Virgin qui était OK pour le faire. Vous remarquerez que c'est Madame et Bonjour, les personnages, on peut jouer à deux. Un des rares beat'em up où on peut jouer à deux sur Super Nintendo, ça veut dire qu'on n'aura pas plus d'un ennemi en même temps, j'imagine. C'est bizarre son maillot de bain, la dame, non? Il n'y a pas un truc bizarre? Le Megastore, tout ça. C'est des vieux, ça, hein. Salut Deleniab! Mais... Delenia qui crame sa data pour nous. Elle fait quoi la dame? Je sais pas, elle fait gauche, droite, mais surtout elle avait le maillot qui serrait très fort entre ses jambes. Bienvenue à toi! Bienvenue à toi, en direct du Japon, bien sûr. J'espère que tu passes de bonnes vacances, reposantes, et que tu ne penses pas au streaming. L'intro est très jolie, je trouve. Les graphismes de l'intro sont très jolis, surtout cette image que j'ai sélectionnée pour l'annonce du stream. Et ouvre les portes de l'enfer! Je vais devoir lire, je pense, le Wikipédia pour le pitch du jeu, parce que c'est trop rapide. 5h du mat, oui. Ah, c'est trop tôt! Il faut que tu te recouches! Recouche-toi! Non, pas bonsoir, encore moins. Il faut que tu te recouches, vite. Ah, moi, je me suis... je me suis fait violence de ouf, hein. Le premier jour au Japon, je me suis levé à 5h, je me suis recouché instant. Faut pas plaisanter avec ça. Surtout si t'as que 10 jours, faut le faire vraiment. Mais c'est bien, déjà si t'as tu jusqu'à 5h, c'est pas trop mal. Si tu l'es réveillé que maintenant, ça va. J'ai vu sur ton Discord que t'étais allé te coucher. J'ai pas de lien vers ton Discord, pas facilement en tout cas. Mais n'hésitez pas à aller suivre Delenia Collection, je vais faire un shootout. Il peut pas restreamer tout de suite, hein, mais... Fais toujours des tirages gacha? Oui, toujours. Toujours. Tu peux pas faire point d'exclamation gacha, mais les tirages, c'est tous les 10 subs, on en est à 1 sub sur 10, et tous les 1000 bits, on est à 120 bits sur 1000. Voilà. Gacha, bon, gacha. Et en plus, il y a une petite musique avec de la musique. Une petite musique avec des paroles. On peut lire. Du coup, on peut régler les boutons du jeu, on peut aussi choisir la saveur du jeu. Donc mild, pour facile, medium ou spicy. On va mettre medium, parce que j'ai peur que le jeu soit trop facile. Surtout qu'on a un truc qui nous remet de la vie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand on appuie sur rond, ça nous remet de la vie. Et salut Varoni, bienvenue à toi. Merci tes dope argent dans les yeux et la bouche. Et merci pour ton prime, The Dope. T'es dope. Merci The Dope pour ton prime, c'est très gentil. Merci. Bah maintenant on est à 2 sur 10. Vraiment très gentil, merci du soutien. C'est très précieux. Un très bon jeu auquel tu joues. Il fut un temps où il coûtait rien, car tout le monde s'en moquait. Et depuis il a été réédité par Pico Interactive, je crois. En 2018-2019 du coup. Et en étant réédité, on peut déjà s'inscrire au prochain tirage. Ah mais c'est un tirage où il faut être en présentiel, au moment où il démarre. C'est pas un tirage en mode je m'inscris et quand c'est tiré au sort, je vois si je gagne. C'est... Non.
C'est participatif en fait, le tirage au sort. J'ai manqué ça. Oui, oui, il a été réédité par Pico. Je peux te montrer la page. Est-ce que je l'ai encore? Je l'ai plus. Ah, si, j'ai un. J'ai plus. On a découvert un jeu Human d'ailleurs sur Super Famicom. SOS en Europe. Il s'appelle Septentrion au Japon. Qui a l'air très intéressant. Un Clock Tower-like version un peu plus dure apparemment. Temps limité, très scénarisé et tout ça. Pico Interactive. Online Store, on remonte à... Bon, pas de la neige, non. Pas de la neige, ici. Et si tu vas sur Super Nintendo, tu vois qu'il a été réédité Gourmet Squad. Un truc qui s'appelle Bonjour, exactement. Je vous le mets ici, comme ça, vous pouvez voir. Si, je sais pas s'ils refont des stocks. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut quand même commander et ajouter au panier des back-orders. Je sais pas si c'est prévu qu'ils reviennent en stock. Ah bah si, ils l'ont en stock même, 79. C'est complètement con. Ça veut dire que le mec qui le vend, il se fout de la gueule du monde au Japon, là. Il y a un gars au Japon, il le vend 80 euros alors qu'il coûte 45. Ah, mais peut-être que importer d'Europe, ça, importer des États-Unis ou d'Europe, ça revient plus cher. Mais 80 euros, c'est quand même méga cher pour une repro. Bref, en tout cas, voilà, il est dispo sur Pico. Je vais remettre sur le stream de... sur PC. Et salut Chrono Camille, comment ça va? On va pouvoir commencer à jouer. Notez qu'il est 22h08. Start. D'ailleurs, on peut jouer à deux. Incroyable. Gourmet Senta et cet OVNI. Oui, je me suis dit que j'allais faire un... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'obscur sur Super Famicom. Il y a tellement de jeux que j'ai pas encore fait. Bonjour madame, très bien. On va commencer par bonjour. Normal. Ouh, c'est joli. C'est très fluide, le truc. Ah, c'est vrai que c'est un temps limité. Yeah. Alors, on a un bouton d'action. On peut courir en faisant avant-avant, je crois, c'est ça. Et on peut sauter avec B. Et on ramasse des ingrédients, comme vous le voyez. On est un bodybuilder. On est bonjour, apparemment. C'est vachement fluide, les animations et les explosions. Ça change un peu des beat'em up habituels de cette époque-là, quoi. 95, en même temps, c'est la fin de vie de la console. Je pense que les gens commençaient à la maîtriser. Oh, une aubergine. Ouais. Ils appellent ça des veggies. Ils font pas la différence entre les différents légumes, quoi. Marrant. Le jeu est très facile, apparemment. C'est le Paprium de la Super Famicom. C'est ça. Gourmet Sentai cet OVNI, il restait des versions Jap en stock. Ah, le lien est juste au-dessus. J'ai mis le lien, oui, oui, mais en fait, que quoi que tu choisisses, il y a le même nombre en stock. Je sais pas comment ils font, je sais pas comment ça se passe. Le jeu Human est dans mes jeux à acheter. Le jeu Human est dans mes jeux à acheter. Septentrion, il est pas mal, il a l'air cool. Un perso qui s'appelle Bonjour, oui, oui. Il y a plein de petits de persos différents. Plaisir, bah plaisir, hein. Plaisir pour moi aussi. J'ai rien raté. Non, j'ai rien. Je suis content que ma SNES elle fait une image si bonne d'origine. Là j'ai retiré tout le gamma que j'avais mis à l'époque pour un petit peu rattraper les conneries des condensateurs, de tout ce qu'il pouvait avoir de mal dans une console. Je trouve que l'image est vraiment bien. Ça marche pas. Ah si, ça remonte ma vie, regardez. Par contre, lui, il faut le taper, vraiment. Parce que, comment dire... Le petit, non? Je fais des étirements et des pauses Sentai, vous avez vu. Par contre, Sentai, beauf. Hein. Pas vraiment le cas. C'est rigolo. Avec la croix directionnelle, on peut changer les pauses qu'on fait. C'est marrant. Effectivement, ça remonte la vie. Mixeur? C'est un gentil? Ah, mais c'est une aide! Putain, et moi je le tape comme un con. Par contre, il a un peu d'eb. Hein. Un peu d'eb de me foncer dessus pour m'aider, hein, par contre. Et vous avez vu, il y a trois sprites à l'écran. Elle pouvait faire ça, la Super Nintendo?
Oh putain, il y a du Friendly Fire dans les... Ah, c'est chiant. C'est-à-dire que quand il me tape aussi, quoi. Oh, le jeu est très beau, hein. Vraiment. Je trouve... Je suis très étonné par la beauté du jeu. Je m'attendais pas à ça. Du riz ? Je sais pas si à la fin on fait des recettes ou quoi. Ça marche. Il faut vraiment s'occuper d'un autre ennemi pendant qu'il s'occupe d'un ennemi, sinon on se retrouve vite à se tabasser, quoi. Ça va, au niveau de l'énergie, en tout cas, j'en perds pas trop. J'ai l'impression qu'en fait, ça me tape, mais ça ne fait pas perdre de vie. C'est déjà ça. Il y a que les ennemis qui nous font perdre de la vie, je veux dire, quand on se tape. Mais l'herbe ne fait rien, tiens, c'est marrant. Ça. Il a craché avec son nez. Vas-y, mais tape-le aussi. Bon, tu prépares du temps, en fait. Ça, c'est un peu fou. Je suis pas sûr que ça soit vraiment une aide, on va dire. Il est joli, ce titre, en effet. Ouais, pour le... Bah, c'est 95, hein. La SNES était vraiment en fin de vie. Elle faisait plus grand-chose. Elle était en train de faire du Chrono Trigger, de faire du... de faire des jeux très, 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 très avancés pour elle. Hein. 95, c'est ça, hein? Ou 90... Attends, c'est pas... Jusqu'à quand la Super Famicom a sorti des jeux? Sans parler du tout dernier, parce que le tout dernier, il est pas intéressant. Non. Le champignon. Bon, la musique, elle est pas folle. Quand il y a une pub mensongère, là. C'est pas des gros pecs qu'on nous promet sur la jaquette. Ouais, c'est des gros pecs de filles. Pourquoi je tabasse mon IA? Je fais n'importe quoi. Une patate. Et je vais me recoucher, amuse-toi bien et bonne soirée à tous. Tu peux sortir, aller dans un combini, mais je crois que c'est un peu une erreur de faire ça. Il y a plein de gens sur TikTok qui disent « Ah, je suis au Japon, il est 3h du matin, je vais dans un combini pour prendre un Famichiki. » C'est vraiment une mauvaise idée, quoi. Mais merci Nelinia d'être passé, c'est très gentil en tout cas. Et bah, passe un excellent séjour et j'espère que tu vas réussir à retrouver le sommeil. En général, quand on se réveille à 5h du matin le premier jour, on est pumped up, un peu trop pumped up. J'espère que ça va bien se passer en tout cas. Et merci encore. N'hésitez pas à aller voir Delenia Collection. Collection de la PlayStation 1 japonaise, principalement. C'est le premier boss. Il y a plein de voix digit, c'est marrant. Arrête de me taper, putain! C'est très malaisante la voix. Vous aussi, ça vous fait un effet bizarre dans l'oreille? Zblata, bah voilà. Des protéines. C'est important, les protéines. Oula! Alors, ingrédients. Choisissez deux ingrédients. Donc, il faut choisir deux ingrédients qui vont bien ensemble. Je connaissais pas ça. Des protéines, alors il y a du shroom, donc du champignon, du riz, du fruit de mer, du tofu, et des légumes. On va prendre du riz aux champignons. What? Mushroom Rice, vie plus 6. D'accord, donc ça décide du bonus que tu vas avoir pour le niveau suivant. Quoi. Oh, joli. Hey, les décors sont cool. Il y a des nouveaux décors souvent et tout. Avec la lumière qui clignote là. Ah, c'est trop beau. Ah, mais c'est la SNES qui fait ça, quoi. C'est vraiment pas mal. Hein. Salade tomate oignon et sauce andalouse. Andalouse? En sauce andalouse, toi. Il faut que je lui passe commande d'ailleurs à Delenia. Je lui ai pas demandé ce que je voulais au Japon. Est-ce qu'il va trouver le... Oh, il faut qu'il cherche le sticker cabri. Pour voir s'il est toujours là-bas. C'est vrai que j'ai posé un sticker cabri à Akihabara. Je sais pas si c'est vraiment un cadeau d'avoir un... avoir une IA. Shroom, shroom.
Et tat 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 tat. Il y a un mini-moi, mais il va pas savoir dealer avec. Il perd course à chaque fois pour le taper. Boum. Un oignon. Des moailles. Ah, c'est les têtes de moailles, ça. Elles ont pris cher, les moailles. Quoi. Il y a zéro intelligence artificielle hein, sur le perso. Le perso me tabasse comme si j'existais littéralement pas dans le jeu, quoi. C'est très désagréable. Dans la course du perso, c'est fluide. C'est beaucoup plus fluide que les jeux habituels, quoi. Papillon, il arrive un jour ou pas? En parlant de Papillon. Papillon, ils ont eu une bonne idée, c'est qu'ils ont utilisé le méga CD pour rajouter de l'intelligence à l'IA, je crois. Et pour faire jouer un joueur 2, si je me trompe pas aussi. Je sais plus ce que c'est dans Papillon, l'histoire de l'utilisation du méga CD. S'il y a un méga CD connecté, il utilise le 68000 du méga CD pour une IA. Justement, une IA d'assistance. Bugger. Il y a marqué Winset. Wins, pardon. C'est le nom du développeur. Ils ont mis sur le petit panneau en néon. Pan pan pan. Zblatoum. Qu'est-ce qui se passe? Je brûle. Papillon Mega Drive arrive en même temps que celui sur Game Gear. Ça. C'est-à-dire jamais. Non, il va arriver un jour. Mais c'est ça le pire, c'est que ça va arriver un jour. Ça va être terrible, mais. Je suis sûr et certain qu'un jour ils vont dire c'est bon, on a envoyé les Papillons. Et puis j'aurais pas changé mon adresse. Parce qu'on peut pas changer son adresse pour les Papillons qu'on a commandés. Oh, regardez tout ce qui se passe à l'écran en ce moment. Impressionnant quand même, non? Je savais pas que la Super Nintendo était capable de faire tout ça. Que les ennemis, s'ils ont toujours que ce pattern, ça va être très désagréable. Plus vous attendez, plus ce sera désagréable. Oula. Taille de ce sprite et il y en a deux autres à l'écran. Mais comment fait la console? C'est moi, hein, celui qui essaye de reprendre de la vie. Ah, il y a une séquence d'enregistrement qui a dû être épique dans leur studio. C'est pas sur un film de Tarantino. Si le clone meurt, j'avoue, je serais pas triste. Actuellement. Par contre, il faudra que je danse. Vas-y, occupe-toi de lui. Mais, connard! Putain. T'occuper de lui? Sérieux, tu veux pas t'occuper de lui? Ah, ça flex, parce qu'en fait, ça remet de la vie, flex. Et je suis en train d'être à court de vie. Il a une énorme seringue à la place du pénis, non? Vous avez vu? C'est comme ça qu'il est construit, cet ennemi. Et il est en train de me... Il m'a inséminé. Ah, hier. Yeah. Il s'appelle Ah, hier. Yeah. Oh non, il va me tuer. Apparemment, on n'a pas de vie. Hein. On n'a pas de crédit ni rien. Hein. Je vais... Ouais.
Bah, en fait, The Dope, c'est ce que des gens disaient pour Paprium. Et il a fini par arriver. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus long. Mais jusqu'ici, Paprium, jusqu'ici, Fonzie a toujours livré. Jusqu'à ce qu'il ne livre pas. Sans transition, ça a été un peu violent quand même. La mort était un peu violente. Ah, continue. Attends. Ah, on va prendre Madame à la place. Madame. Ah, d'accord, ok. C'est bon, on a les crédits infinis. Et en facile, il n'y en a qu'un seul au lieu de deux. Non. Vous avez vu comme les épées sont cool? C'est des clignotements, la transparence. Oula. Prendre Madame, elle a pas beaucoup de vie. Hein. On est d'accord qu'elle a un camelto gigantesque, ou pas? Il y a que moi qui le vois. C'est très bizarre, hein, ce qui se passe. Je peux pas balancer, mais j'ai quand même l'impression que c'est un jeu d'obsédés sexuels. Mais j'étais dessus! Maintenant que tu l'as dit, il n'y a plus que ça, bah, c'est ça. C'est le principe. C'est comme le logo de Carrefour, ça. Bah, la seringue phallique, c'est un peu moins fin. Il y a un peu moins d'analyse de sprite dans la seringue phallique que dans le camelto de Madame. De Madame en plus. Putain, c'est vraiment son nom. Oh non, non, non. Ah putain, le mode easy, par contre, la récupération de la vie, elle est abusée. Hein. Je lui fais rien du tout comme dégâts, si. Ah d'accord, il a deux barres de vie. Il y a de la cuisse, en tout cas. Ah bah ça, il y a de la cuisse. Sinon, elle pourrait pas se mettre debout. Je me fais piquer par un moustique. Putain, sérieux, quoi. En temps réel, quoi. Tu veux pas te barrer, fils de pute? Ah, le mec me... Mais sérieux? Mais... Le mec me pique le tendon, quoi. Je suis là. Je suis vivant. Je suis en train de jouer. Les moustiques ont pas peur d'Arunotaku, là. C'est bon. C'est chaud, Aniki, exactement. C'est marrant, ça, dis donc. En tout cas. Bravo, Erax. Bravo, Erax. Je crois que c'était Erax, parce que j'ai l'habitude que ce soit Erax qui fasse des blagues de ce genre, mais c'est top. D'ailleurs, Erax, c'est un peu dévergondé, ce que tu dis, hein. Attention, quand même. Il y a de la cuisse, c'est un peu... Attention. Ça y est, il commence à être rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Ciao Akiba du coup. Et n'hésite pas à rester à l'affût pour le tirage au sort, puisque c'est comme ça que tu pourras gagner des gachas, c'est d'être présent. Parfois il y a des gens qui font 5 gifts, sub-gifts par exemple, et ça accélère grandement le tirage au sort. Et bonne soirée à toi en tout cas, et bonne semaine. Courage si tu reprends demain le travail. Tu peux arrêter le jeu d'être chiant? Mais quand il fait ça, il est inarrêtable. On peut pas le toucher quand il fait son truc. Là. Quand il fait son... Elle est vaillante. Comme Eddie. Eddie Valiante. Et je l'ai battu, putain. Merde, un homard, vite. Ah non, soybeans. Des trucs de soja. Ah, j'ai quand même gardé mes ingrédients. Marrant, ça. Alors, on peut faire des protéines au soja. Des protéines de soja, on peut faire. Je sais pas ce que ça fait. On peut refaire des champignons avec du tofu, par exemple.
Tofu champignon, ça passe ou pas? Ou fruits de mer aux légumes? Je sais pas du tout ce que ça fait. J'ai l'impression, comme dans tous les jeux vidéo, vous savez que plus la liste est... Bah, moins il y en a, et plus c'est précieux, et mieux ça va être. Mais je suis pas sûr, en fait. Il y a deux gameplays en un sur ce stream. Gourmet Sentai et Mister Mosquito. Mister Mosquito qui est présent dans Astro Boy. Astro Bot. Je sais pas si vous vous rendez compte du point auquel... Non, ça ne marche pas, Spaz. Arrête. 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 Astro Bot, ils ont réussi à caser Mister Mosquito. Je sais pas si vous vous rendez compte du côté obscur de la ref. Et il y en a plein d'autres. C'est un truc de dingue, en vrai. Astro Bot, c'est fou. Soja et... Qu'est-ce que je mets avec le soja? Qu'est-ce que vous mettriez avec le soja? Vous. De la raclette? Du tofu? Tofu soyeux. C'est pas un truc fermenté, le tofu soyeux? Putain, elle est bien habillée, là, d'un coup. Salut, Gasgas, comment tu vas? Soy spécial, live plus 9. C'est bien, ça. Oh là là, les décors, qu'est-ce que c'est beau. C'est assez impressionnant, hein. Même pour de la Saturne. Même pour de la Super NES, je trouve ça plutôt cool, hein. Bon, après, je dis pas que la SNES fait pas mieux, mais fluide comme ça, là, c'est pas courant. En général, les beat'em up, je me souviens qu'ils étaient un peu saccadés sur SNES. Pas saccadés, pas qui rament, mais saccadés en mode moins d'étapes d'animation, des déplacements peut-être moins fluides, plus du 30 images par seconde que du 60. Là, ça sent à l'envers. Elle se met la tête littéralement enfoncée par terre, c'est ça? C'est quoi ça? D'accord, c'est des légumes. Il y a un côté Actraiser dans le chara-design des décors, je trouve. Le chara-design des décors. Je veux dire, le chara-design des décors. Ah! Regardez la barre de vie! J'ai du jaune dedans! J'ai du jaune dans la... C'est incroyable! Regardez, il y a quand même trois ennemis en même temps sur un beat'em up Super Nintendo. Hein. Est-ce que c'est pas le premier beat'em up de la SNES qui fait ça? Ah, ça y est, j'ai un clone qui va me faire chier. J'ai pas pensé. J'ai oublié d'y penser. Ah, on peut recharger sa barre de vie bonus en plus? Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que le jeu va être très facile. En fait. Il faut juste que je pense à faire des danses à la con. Par contre, là, il y a un... Ouais. Qu'est-ce que c'était que ça? What the... Bonnie. Les décors sont jolis, ouais. C'est vrai qu'il y a un petit côté Chrysler, un petit côté début de la 16 dans les décors, mais je les trouve vachement bien animés. Je trouve que les explosions sont très stylées. Fiche. Et que les... je sais pas comment expliquer, pas l'animation, pas les étapes d'animation, mais l'animation des persos. Regardez-moi ça. Encore du riz. Bien. Du riz et du poisson, ça peut être stylé. Et du blé. Ah, boss. Pas mal, ça. Ah non, mais t'es conne. Ah, de merde. Pas sorti de l'auberge.
On n'est pas sorti de l'auberge. Commence par soi-même. Hein. Sur le dos des autres. Hein. Je peux monter ma barre de vie encore plus haute. Regardez ça! J'ai une barre de vie bleue! Je me saoule, toi. Je mets trop de temps à tuer le boss. Chiant. Par contre, il n'y a que 5 niveaux. Hein. Donc, on n'est pas loin de la fin du jeu. C'est triste. Il va falloir que je m'habitue à faire des jeux courts si je fais des jeux d'arcade. Quoique Zombie Revenge, j'en ai pas arrivé au bout. Mais ça dépend des jeux, je pense. Oh ! Attaque spéciale ! Dans le pouvoir du Prism Lunaire. Y a pas de super attaque, en tout cas, moi je sais pas les faire. J'essayais depuis tout à l'heure de faire des quarts de cercle et des trucs avant-arrière, mais ça ne marche pas. C'était quoi le dernier beat'em up, qu'on a fait qui était très pauvre en coup? C'était Sailor Moon. On se faisait chier, il n'y avait pas assez de spécial dans Sailor Moon. Du coup, on avait fait le tour assez rapidement de la palette. Mais c'était rigolo de découvrir les décors, quoi. Et les persos. Ex-Bunner, elle s'appelle Ex-Bunny. C'est une blague avec les Ex-Bunny. Il y en a deux. Comme Sailor Moon, il y en a deux. Enfin, il y en a plus que deux, je crois. Qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est quoi, ça? Ah si, elle a fait un truc spécial, elle. Ah, moi aussi. Non, c'est pas moi. Parfois, dans Sonic Blast Man 2, il peut y avoir 4 persos à l'écran. T'es sûr que c'est pas du background, le quatrième? Moi, j'arrive pas à croire qu'elle puisse afficher 4 sprites, la Super Nintendo. Je veux dire, c'est beaucoup, quand même. Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru qu'on était en week-end demain, alors que c'est l'inverse. Vous vous rendez compte un peu de la frustration que ça a fait dans mon cerveau? Elle est insupportable. Les clones sont insupportables dans ce jeu, c'est officiel. Ah, un tanuki. Avec ses testiboules. Vous avez vu les testiboules? On voit ses testicules. Le Batman Returns. Il y a combien de persos dans Batman Returns? J'ai pas joué à Batman Returns. Je crois que j'y ai joué sur Mega Drive. J'ai pas joué sur SNES. Des soybeans. Balls of Tears, exactement. Alors là, j'ai plein d'ingrédients. Toujours 2. Dommage. Mais j'ai du soja et du riz. Très classique, ça. Riz, soja et au lit, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Du blé. Il y a du poisson aussi, hein. Poisson riz. On va faire poisson. On va faire des sushis. On va voir ce que ça fait. Il est incroyable, le cuisinier. Du thon. Life plus 11. À la fin, je vais être beaucoup trop puissant. Ah, la fête foraine. Avec des gens huilés et torse nus. Plus 11, c'est dur de faire mieux. C'est un nageur. Il y a de la physique sur les boobs, vous avez vu. En plus d'avoir sa culotte qui lui sert beaucoup trop l'entrejambe. Plus que de nécessaire. Ah merde. C'est le seul bonus qu'offre le jeu. Et c'est terrible en fait. C'est-à-dire que vraiment c'est un handicap de ouf quoi. Faut que je fasse Zenki aussi, hein. Le Zenki de la PCFX, il était incre. Un oignon. Ah oui, un oignon. C'est ça, en fait. Ça, là, c'est un oignon. Tofu. Mais tofu ou quoi?
Ouais, c'est dommage que... Est-ce qu'on irait pas voir la notice? Est-ce que quelqu'un a la notice déjà sur l'internet? Gourmet, comment il s'appelle? Sentai. Je pense que ça soit plus intéressant. Gourmet Warrior Move List. On dirait le chanteur de Kinnikuman. Akira Kushikida. Est-ce qu'il a chanté Kinnikuman? On dirait que non. Ah si. Ah, c'est lui qui a chanté Kinnikuman. Incroyable. Je suis trop fort, non? Je reconnais trop bien les timbres de voix. Ah, il y a L et R qui font des trucs en enchaînement. Blast Attack RA, Hold R, puis A. Explosive Pose R plus P. Qu'est-ce qu'ils appellent P? C'est quoi P? Ah, Punch, peut-être. Elle est trop bien cette musique. Bref. Ah oui, d'accord, c'est Burning machin. Je brûle les gens, littéralement. Avec R. C'est à base de maintenir. J'ai brûlé ma pote. Désolé. C'est bon, moi j'ai évité. Donc ouais, on peut ajouter des flammes dans ses coups. En regardant la move list, j'ai vu ça. C'est cool. Un peu moins répétitif, mais... C'est pas fou, hein, au niveau du moveset. On n'est pas sur un Final Fight. Quoi. Où on peut, par exemple, garder les ennemis en... Ah si, on peut garder les ennemis, d'accord. Si on marche sur l'ennemi, et qu'on lui... on peut même lui monter dessus, d'accord. Okay. Une fois qu'on l'a étourdi. On peut faire du catch un petit peu avec eux aussi. Alors, en fait, il y a des petits coups spéciaux. Oh, vas-y, finis-le là. Putain, on n'a pas fini, on est sérieux quoi. 2 heures à mâchouiller l'ennemi, au bout d'un moment, tu vas le buter ou... C'est relou, en fait. Pas que je sois impatient, mais là... Ouais. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? On est sur un truc qui se déplace à cette vitesse? Ah lui il est réfugié, on peut pas le brûler lui. J'ai plus rien pour le brûler. Ah, j'arrive à brûler les gens. Là. Oh, elle a fait un truc cool.
Le clone il se bat comme de la merde, putain. La laitue. Ah, c'est du Veggie encore. La protéine. Double prot. Ah, je peux essayer de faire prot-prot. J'aimerais bien voir ce que ça fait. De faire protéine plus protéine au repas de la fin. À mon avis, protéine, ça doit être une très grosse récompense parce que j'en ai eu que deux depuis le début du jeu. Donc il y a moyen que ça soit vraiment, vraiment précieux. Tofu. Et moi aussi, au dodo, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Fred Kid. Bonne soirée. J'ai vu que t'avais fait plein de tweets de trucs intéressants. Il faudrait que je regarde tous tes tweets. J'en ai fait trop. N'hésitez pas à aller voir Fred Kid sur Twitter. Je sais plus son at. Ah. Je crois que c'est Kien Instant. Je sais plus. N'hésite pas à mettre ton hâte, parce que sur Twitter, il a plein de... Il a une grosse collection de trucs intéressants, montre, de temps en temps. Et il a montré Ground Zero Texas, notamment. Il faudra que je le fasse sur Mega CD un jour, en real hardware, real CD, real tout, quoi. Real to real. D'ailleurs, il m'a pas répondu, le monsieur du Retro Tink, là, Mike Chi. J'ai posé une question sur Twitter, il a pas répondu. Parce que j'ai un problème avec le RetroTink, moi. En jouant en 50Hz, ce qui doit pas lui arriver. Il doit pas avoir beaucoup de clients qui jouent en 50Hz sur leur RetroTink. Mais du coup, il y a un petit problème avec le RetroTink en 50Hz. En PAL plutôt. D'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que le 50Hz. Dès que le signal est PAL, il y a un petit souci. J'arrive pas à voir comment ça, comment je fais le retourner. Choum. Merde, j'ai pas évité. Ils sont trop bizarres ces ennemis là. J'ai mis mon Twitter en mode actif, mon Twitter Ken Prods. N'hésitez pas à aller voir ça. Ah, ah, c'est cette combinaison de touches là pour faire des prises. Je pense que c'est surtout la position du personnage par rapport à l'ennemi, les prises. C'est pas forcément les boutons. Si on est vraiment dans l'ennemi, très collé, on va pouvoir peut-être faire des prises. Ah, elle lui fait quoi là? Que 30 secondes, on va peut-être essayer de finir les ennemis. Il y a encore un niveau incroyable, regardez-moi ça. Waouh. Ah, il m'a changé en ennemi pourri. Mais non. Ah, par contre, il y a un peu de nudité, là. Peut-être se calmer, les gens. Oh putain, par contre, il fait mal. Hein. C'est le boss de fin, non? Non, non, non. Oui, oui. On dirait qu'il dit oui, mais qu'il dit non. Oui.
On dirait vraiment qu'il dit non, quoi. On dirait qu'il dit oui et non, quoi. Il dit me chier. Non, 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 non. C'est excellent. Je t'aime, il a dit. Les mots français les plus connus. Non, oui, je t'aime. Bonjour, bon appétit. Laurent Ruquier. Ah, ça bouge pas. J'y arrive pas. Non, 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 non. Elle lui a tenu la... le crush ? J'ai l'impression qu'elle lui, elle lui a tenu le... l'entrejambe. Ah, mais voilà, transformer en ennemi nul. Terrible. Yeah. Et ben voilà. Un peu laborieux comme combat, mais... Ah, alors là, j'ai du soja et j'ai 4 protéines. Je vais essayer de faire 2 protéines pour voir ce que ça fait. Double dose. Méga protéine. Can of protein. Life plus 0. Ça ne marche pas, la protéine toute seule. Je pense qu'il fallait mettre de la protéine avec autre chose. Oh, le niveau de verre. Le fameux plafond de verre, mesdames, messieurs, il est là. Vous l'aviez attendu. Le voici. La musique est solennelle. On peut faire ça et se retrouver sur eux. Par contre, je sais pas ce qu'il faut faire après, en fait. On dirait qu'ils servent de poteau pour faire des prises de catch. Quand on les plante au sol. Les musiques sont cool, mais elles sont pas super bien orchestrées par rapport à ce qu'on, avait, ce qu'on pouvait entendre sur Super NES à la fin. On peut entendre mieux que ça, quand même. Mais par contre, les thèmes musicaux sont cool. Pas facile de faire la différence entre les deux, mais... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Les personnages, c'est tout un poème. C'est des tourelles de lance-flammes, quoi. Il y a des trucs... Il y a des trucs qui m'échappent un peu. Oh, Lugan! Donc là, je peux monter sur lui, là, et faire une prise à... Bah non, merde. Ah mais comment je monte dessus? J'arrive plus. Ok, j'ai réussi à monter une fois dessus, je crois pas qu'on puisse monter deux fois dessus. J'ai un peu de mal à trouver une cohérence dans l'univers, c'est un peu le problème je pense. C'est qu'il y a des personnages très what the fuck, et les décors sont très terre à terre. En fait si c'était des gens qui venaient d'une autre galaxie, qui arrivaient sur Terre à la rigueur, on pourrait comprendre. Mais là, on dirait que l'univers est très terre à terre contre les personnages qui sont très complètement déjantés. Quoi. Bah, en fait, on dirait qu'il n'y a pas de directeur dans ce jeu. On dirait que ça n'a pas été dirigé. On dirait que les équipes se sont dit ah, oh, tout what the fuck, c'est trop drôle, haha, lololol. Et au final, c'est sorti comme ça sans qu'il y ait de cohérence, comme tu dis. Ça manque d'une certaine cohérence. Survie de la vie.
Je crois que vous allez me voir un petit peu crever contre les ennemis, c'est quand je me remets de la vie, la série. Ou juste quand je suis mauvais. Pareil aussi. Ah, j'ai réussi. Ça y est. J'ai réussi à faire une prise avec un mec enfoncé dans le sol, c'est rigolo. Pas évident, c'est rigolo. Il y a un mélange de musique. Bizarre ce bruit là. Ta-da-da. C'est marrant ça. On peut projeter les ennemis qui sont enflammés sur d'autres ennemis. J'ai pas pris le clone exprès pour pas avoir un deuxième perso qui fait chier. Le The Event a passé le cap des 8 millions d'euros. Là. Genre ils viennent de dépasser les 8 millions d'euros. Ils sont à 8 millions 9 000 euros. La cagnotte globale. C'est quand même pas mal, je veux dire. Je trouve que c'est pas mal. On va faire du riz. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire des ça avec du ça. Attends, avec du riz. Du riz aux fruits de mer, ça va être bien ça. Et encore un décor magnifique, hein. On dirait que c'est le boss. Le CPU. En même temps, on a fait 5 niveaux, hein. Ça va être un stream assez court. On peut un peu abuser le boss de fin, j'ai l'impression. Aïe, 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 aïe. Il s'est vengé. Il m'a bien eu. On dirait qu'il se protège. On dirait qu'il a un petit bouclier qui se déclenche à chaque fois. Un stream au trou. Exactement. Assez long pour s'en souvenir, assez court pour le refaire. Ouais, je sais pas. Le gameplay est assez pauvre. Je pense que je suis peut-être passé à côté de plein de coups. De plein de trucs spéciaux. Il y a un personnage que j'ai pas fait d'ailleurs. On pourrait peut-être au moins relancer le premier niveau avec un personnage. Il a récupéré toute sa vie. Comment, je ne sais pas, mais il l'a fait. J'avais pas entendu le bruit de la cage au début.
Oui, d'accord. À chaque fois qu'il fait ça, en fait, il me chope et il récupère de la vie. Donc faut surtout pas que je lui laisse faire ça. Sinon, le temps va s'écouler et je vais mourir. Ça va être chiant. Trop bien. Salut Mardius, comment tu vas? On fait un beat'em all chelou aujourd'hui. On n'est pas loin de la fin. Oula. Il est où l'overlay vert? Il n'y a pas d'overlay vert car ce n'est pas le The Event. Ah ah! Tu n'avais pas vu le mot pas! Ah merde, 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 merde! Putain, c'est nul. Ah, c'est chiant. Je me fais avoir comme une merde. Ah, mais il m'a pas mis en cage. Ça veut dire qu'il a pas récupéré ma vie? Par contre, c'est très chiant parce qu'on est obligé de courir et de donner un coup pour taper vers le bas, donc c'est un peu compliqué là. Arrête, tu fais que faire plein de petits jeux là, c'est bon. Ah putain, c'est chiant. Ah, c'est désagréable. Ils ont vraiment réussi à avoir l'essence du truc chiant. Hein. Du coup, j'évite de me faire pécho par ça. Parce que si je me fais pécho par ça, il peut me mettre dans une cage et récupérer de la vie. Il a récupéré de la vie. Oh là là, c'est chiant. Ah, le jeu est trop relou, en fait. C'est vraiment nul. En fait, je vais mourir en time's up. C'est dommage. Hein. En fait, ça demande même pas... C'est même pas une question de skill, c'est une question de réflexe à la con et de gameplay un peu boitaxe. Ce qu'il fait, par exemple, c'est boitaxe. Voilà, là, c'est bon. Et à chaque fois, il faut que je pense à m'éloigner de lui, quoi. À lui faire un minimum de dégâts possible. Si je lui fais trop de dégâts... Voilà, il fait ça. Il m'aspire parce qu'il me touche. Et il récupère de la vie. Il récupère beaucoup, beaucoup de vie. Il a récupéré de la barre verte. De la barre verte. Du coup, il y a la barre verte, la barre jaune et la barre rouge à péter. C'est très compliqué. Surtout qu'il fait des attaques à la con comme celle-là. Où il est imbattable. Parce qu'il faut faire avant-avant action. C'est tout le problème des jeux qui vous forcent à faire un truc, en fait. Et que pour le combattre, vous êtes obligé de faire un certain truc. Et les patterns, c'est intéressant. Les patterns, c'est ce que fait l'ennemi. Les patterns du joueur ne doivent pas regarder le développeur. Les patterns de l'ennemi, c'est important. Les patterns de comment tuer un boss, c'est nul à chier d'en faire des trucs par cœur. Ça rend le combat pas très intéressant. Normalement j'aurais dû le toucher, hein, mais c'est pas grave. Là normalement j'aurais dû le toucher aussi. La musique elle est nerveuse. Hein. Elle est vénère comme un hamster la musique. J'en ai ras le cul, sérieux, je vais arrêter. Je le battrai pas ce soir. Je pense que je vais racheter, ça me saoule. Je comprends pas qu'on fasse des règles aussi débiles. Il me reste 20 secondes pour le tuer, je pourrais jamais en fait. C'est pas des vraies secondes d'ailleurs. Ok. Je vous avoue que j'ai tryhard Astro toute la journée. J'ai pas envie de tryhard un jeu SNES ce soir. Je pensais que ce serait plus facile. Peut-être un faux chrono. Non, c'est un vrai chrono. Parce que la page Wikipédia indiquait que c'était le seul moyen de mourir en dehors de la vie. Et qu'il n'y a pas de crédit. Il y a des crédits du coup, mais je pense que c'était pas très clair dans l'esprit du mec qui a écrit la page Wikipédia comme souvent.
les pages Wikipédia, c'est quand même écrit par des gens. Par une certaine petite élite. Comme j'avais déjà dit, comme j'avais déjà fait remarquer plusieurs fois. Genre. C'est eux qui décident si tu cites tes sources correctement ou pas. Ça fait penser à certains autres petits groupes d'élite. Et là, c'est time out. En fait, il perd plus de vie, donc pourquoi le time il est à 0 et ça s'arrête pas? Bonjour Pyro 700. Salut Pyro 700, comment ça va? Ouais, c'est même plus à KPV là, regarde, la vie descend plus en fait. Ou alors, est-ce que c'est scripté? Et là, il reprend de la vie, en fait. Regarde, il reprend de la vie, ce fils de pute. Et le truc, c'est que sa vie, il descend plus, là, en fait. Je peux plus lui faire descendre sa vie, du tout. Ou alors, faut lui faire que des coups de feu. Putain, fais chier. Non, je lui fais plus perdre de vie, en fait. Mais je pense que... Je me demande si c'est pas le timeout qui fait ça. Ou j'ai cassé le jeu, je sais pas. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Le jeu n'est pas intéressant pour la fin. Après, même l'arrivée jusqu'au boss de fin était pas très très passionnante. Hein. Ça me fait le même effet que Sailor Moon. Je suis peut-être pas fait pour ce genre de jeu. Sa forme humanoïde est invincible. Sa forme humanoïde? Ah, d'accord. Donc c'est que quand il est boule qu'il est... Ah oui, d'accord. T'as raison, en plus. D'accord. Bon, il faudra que je me concentre à le tabasser quand il est une boule. Par contre, le temps infini, c'est normal ou... Pas répétitif encore, hein, cette phase. Des patterns binaires, quoi. Et par binaire, je veux dire médiocre, enfin bien sûr, boule de flipper qui roule. Partenaire d'un papa chanteur, c'est cool, c'est pas ça qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit d'ailleurs. Comme boule de flipper qui roule. Ta mère qui suce des ours. Il y a quand même des animations et des clignotements de sprites qui sont super stylisés. Et l'humain. Ou alors j'ai peut-être le temps infini en facile. Ou alors c'est le chrono de la bad ending probablement. Hein. Il va y avoir un truc, une arnaque moldave à la fin, genre game over, une fois que je l'ai tué. Ils attendent que je le tue pour me foutre encore plus la haine. Exactement ça. Et bah c'était bien ce jeu. On va s'arrêter là. on va clairement s'arrêter là.
Voilà. Nous avons un peu le sentiment d'être venus pour rien. Comme dirait l'autre. C'est la dame de la cover, oui, c'est ça. Et ben c'était bien nul. Je reviendrai du coup demain avec un nouveau jeu un peu mieux. Soit pause, soit jeu demain, je sais pas encore. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Je vais mettre fin au stream puisque je n'ai pas d'autres jeux à vous montrer et que je dois me coucher tôt ce soir. Merci à tous d'avoir été là. Et merci spécialement. Merci spécialement à The Dope pour son Prime. Ce sera à peu près tout pour ce soir, voilà. La bonne nuit, des bisous, des patounes et des topettes, exactement. Je vous quitte exactement comme le jeu m'a quitté. Comme le jeu a fait en sorte de me quitter. Et je vais vous raid chez quelqu'un. Comme ça, il y aura plus de gens qui streament à 23h qu'à minuit. Et ça sera... Chez qui? Chez qui je vous raid? Chez Kofi. Il fait encore le Z-Event. Ah, je vous raid chez Kofi. Ça fait des années que j'ai pas pu le faire. Je le fais. C'est parti. C'est parti. Je vous raid chez Kofi. Kofi. Il fait des jeux vidéo. Salut Slitus. Qu'est-ce qui se passe? Le décor a changé. Pourquoi tu t'en vas quand j'arrive? Je ne sais pas. Tu arrives trop tard, peut-être. Tout simplement. Ce soir, on faisait pas une session très très longue. En tout cas, des bisous. Et à demain, peut-être. Ou peut-être pas. Ça dépendra si c'est ma... Si c'est ma pause ou pas. Vous étiez pas nombreux, ce qui est normal sur un jeu si peu intéressant. Il faut que je sélectionne un peu mieux mes jeux la prochaine fois, voilà. Je vous vois quand même chez Kofi ou pas, parce que vous êtes vraiment pas beaucoup. Bon, en tout cas, donné pour le Z-Event. C'est sans doute une bonne occasion de le rappeler. Et voilà. À demain pour ceux qui seront là, et sinon, bah, bonne nuit et bonne soirée. A plus. Ciao.